Moi, je pensais que c'était pour l'an 2000. Et puis, j'avais 32 ans, 1952. J'étais chez les Compagnons de Saint-Laurent, puis tout à coup, le téléphone sonne. Puis je dis, ah, on va me demander pour jouer dans une pièce de théâtre. Mais non, j'entends, allô, ici, la télévision. La quoi ? La télévision, ça a été notre révolution culturelle. La télévision a chamboulé les habitudes intellectuelles de la société québécoise, peut-être aussi de la société canadienne tout entière. Je n'en sais rien parce que je vivais ici. Mais ça a été un bouleversement incroyable. J'ai été le premier citoyen de Trois-Rivières à avoir un appareil de télévision qui m'avait coûté très cher d'ailleurs, que j'avais eu grâce à Household Finance. Et on avait installé une immense antenne, c'est-à-dire sur le toit. Et si bien que le soir où la télévision ouvrait, j'avais 44 ou 45 personnes dans le salon. Moi, j'ai rien vu parce que j'étais derrière tout le monde. Moi, en tout cas, la télévision, pas juste au niveau du théâtre, mais au niveau de tout, ça a été mon éducateur parce que j'ai refusé l'éducation telle qu'on voulait me l'imposer dans les années 50. Mais comme disait toujours ma mère, rendu dans les années 60, ma mère me disait, je t'ai vu grandir sur deux chaises, puis ensuite trois chaises, puis ensuite quatre chaises. Je m'étendais devant la télévision. Dans notre cas, on a eu la télévision dans notre famille au même temps où un jeune chien est arrivé. En fait, on avait une chienne qui a eu des chiens, et moi, j'ai eu à choisir un des chiens. Et tout naturellement, j'avais quoi, 2 ou 3 ans à l'époque, je l'ai appelé TV. Mais ce chien, on l'a gardé pendant 15 ans. Alors, on a eu pendant 15 ans un chien qui s'appelait TV. La télévision a changé notre vie à tous. Elle nous a donné un accès sans précédent à la culture, à la science, au monde. Nous sommes la première génération à avoir grandi avec elle. Image d'une génération, notre histoire. Bon, écoute, là, ça suffit. Daniel donne peu d'espoir à Didier. Ah non! Hey, c'est pas vrai! Parce que vous pensez chanter des cornifliers. Et Henri promet la lune à Daniel. Marilyn, demain 19h. Tout est passé. Tout est. Tout est passé. L'an dernier, plus d'un demi-million de Canadiens ont marché, patiné, couru pour pousser la recherche sur le cancer plus loin. Cette année encore, tout est possible. Tout est possible. Oh, yeah. Come on. La 12e journée annuelle Terry Fox, le 20 septembre prochain. C'est pas toujours drôle d'être petit. C'est encore moins drôle d'être handicapé. Un enfant handicapé, c'est un enfant comme les autres. En lui ouvrant votre cœur, vous lui donnerez des ailes. Du 15 au 30 septembre, déposez vos contributions chez Jean Coutu. D'émotions pures. Sans public existant. 40 ans de souvenirs inoubliables et une promesse toujours renouvelée. Vous allez voir ce que vous allez voir. Regardez, c'est votre histoire. Il est aussi joué une bonne fille. Bien, bien que je devais. Cette année encore, des personnages plus grands que nature habiteront votre imaginaire. Ça va bien que une fois les tous. Les dramatiques à la télévision de Radio-Canada, une grande histoire de cœur. Je vois que tu pleures à cause de moi. J'en vaux pas peine. Coutume veut que l'auteur d'un nouveau téléroman présente la première. Je me prête de bonne grâce à cette invitation. Il va sans dire... La société dans laquelle arrive la télévision
est une société conservatrice, dominée par l'autorité, la tradition, le passé. Et pourtant, tout change, partout. Ce sera le premier choc de la télévision. La grande confrontation entre le changement, le modernisme, l'ouverture sur le monde et un passé qui ne veut pas mourir. Ou des chiffres, des aperçus à peu près. Le savez-vous, oui ou non, si Baptiste a découché deux ans, si il a semé du maïs? Je dis que Baptiste n'est pas menteur. Ah, pas menteur, mais sans cœur. Ça fait bien proche. 15 ans que je suis agent des terres. J'ai jamais eu de trouble. Non, par rapport que je suis là, que j'ai vu. Abonné ici dans le rencroche, le lot d'Alexis. Vous gardez encore? Gardez qui? Alexis. Quel match fait? Alexis reste un lot qui appartient pas, il est pas en loi. Un squatteur. Rien de pire. Vous avez-tu de pire que si vous ne rapportez pas au premier ministre à Québec? Moi, je vais vous déclarer. Toi, Séraphin, tu feras ça. Certain que je vais le faire. C'est moi qui est responsable. Je fais ma marque. Ah, je comprends. Mais rapport comme ça est poli une écrite. Mais moi, comme citoyen, je veux pas servir de complice. Passez-moi pas à vous déclarer. Image moderne d'une société encore traditionnelle, c'est à la campagne que vivent les héros des grands téléromans. Même le survenant, le plus romantique, le premier à conquérir avec celui d'Angélina le cœur de toutes les femmes, appartient malgré lui à cette campagne qu'il a toujours voulu quitter et où il accepte enfin de s'établir. Angélina, je t'apporte une nouvelle. Une nouvelle que t'attends depuis longtemps. Reste au chenal du moins. Commençons. C'est ainsi que tu prends la nouvelle? Ou si je te lançais dédaigneusement un crouton de pain, Benoît? Angélina. Angélina. Angélina, j'ai fait ta commission et... Un observateur étranger qui aurait été de passage au Québec, mettons, vers 1950-55, il aurait vraiment eu l'impression que c'est une province gouvernée par les curés. Hein, mais quand on voit les choses d'un peu plus loin, on découvre que tout se transformait, que tout bougeait. Et au fond, ce que va faire une des premières choses que va faire la télévision quand elle va faire son apparition en 1952, ce sera précisément de révéler cet aspect insoupçonné à beaucoup de gens à l'époque de la société québécoise. On découvre tout à coup que le Québec, ça n'est plus Maria Chapdelaine, ça n'est plus la société tranquille dans laquelle rien ne doit mourir, mais par la télévision, tout simplement en montrant la réalité, la télévision a eu cet impact extraordinaire au début de montrer la réalité. Tu y penses encore? C'est justement l'histoire de la famille Plouffe, le premier téléroman. Celui que personne n'a jamais oublié, qui, tous les mercredis soirs, vidait les rues de la province. Une famille encore traditionnelle, mais un monde complètement nouveau. Celui de la ville, des ouvriers, d'une société qui, en 10 ans, va voir plus de changements qu'on n'en a jamais vu depuis le début du siècle. Les Ploufs, je l'ai vu de chez moi, la première émission. Et là, c'était une révélation. Parce que Fugère et Lemelin, cette
association-là d'un auteur et d'un réalisateur a donné un style à une émission. Les Ploufs, c'était unique. Les Ploufs ont été une création originale de Fugère et Lemelin. Ça ressemble à rien d'autre. J'ai mangé du bon raisin. Oh, bien, donne-lui du raisin, là, toi, Sophie. Cécile a loué un logement à son frère Napoléon qui devait se marier. Mais il se désiste. Le bon voisinage de la famille en prend un coup. C'est comme je t'ai dit, moi, j'étais bien prêt, c'est pour ça que j'ai loué. Et Jean a décidé vraiment. C'est intelligent. Avant de réserver, tu aurais pu au moins t'assurer qu'elle dirait oui. Ben écoute, si quelqu'un m'a pas rendu tout, ça va assez mal. Non, je vais reconnaître tes erreurs. Je te laisse discuter. Quand tu le mérites. Allô? C'est Madame Ménard qui parle. Le logement est à vous. J'avais loué ailleurs. Oh bon, ben. Oui, c'est ça qui sera pour une autre fois. Au revoir, bonjour. Tu vois ce que tu m'as fait manger, hein? Une locataire qui était prête à refaire tout le plan. Ah, c'est vrai! Pire affaire avec la famille, j'en ferai plus! Toi, t'as pas un garçon manqué, ma Cécile Plouf, qui a un enfant. Toi, t'as rend mon pied quelque part, t'as compris? Moi! Moi, un garçon manqué? Ton pied quelque part? Et fais donc pourquoi? Qu'est-ce que vous dites de ça, vous, mon mari? Ah, moi, je veux pas me chicaner avec mes beaux-frères. Peureuse, hein! Oh! Tu vas m'en marcher à ton pensée, toi, Napoléon Plouf! Comme ça, on va pas se marier tout de suite. Tu vois, hein, à connaissant la construction, ça baisse l'hiver. Venez, c'est moi, je suis dans la maison! Hein? Elle est pas gênée. Un beau parti comme toi. Qui l'a pas payé, ben? Je suis là, Noël. C'est dans la maison, on va faire tourner Napoléon Plouf! Oh, venez-y. Avec toi et moi, on sent déjà par Jean et Jeannette que la famille ne sera plus tout à fait la même. L'appartement à toi est plein de robes. Des robes d'été, Jean. Franchement, il faudrait augmenter ton prix. Toi et moi, c'était, comme tout ce que j'ai fait d'ailleurs à la télévision, ça faisait partie de mon évolution, de ma recherche personnelle, ça faisait partie de ma révolte. C'était la première fois qu'on montrait à la télévision une femme qui remettait son mari en question, qui constamment lui disait « Pourquoi tu m'aides pas? Pourquoi tu... » C'est avant, les hommes étaient rois et maîtres, se faisaient servir. Moi, je vivais ça. J'étais jeune mariée, je vivais cette remise en question-là, et je remettais beaucoup mon mari en question, et c'est ça que j'ai voulu partager. Les femmes travaillent. Pas bête, comme vous dites. Tiens, Jean, va vendre ça. Ça, moi? Oui, toi, Jean. T'as pas pensé une minute que moi, je pourrais aller vendre des bas. Voyons donc, Jean, tu traites tes comptes, tes principes, c'est une femme qui travaille, qui me l'a assez répété. Ça, c'est des bas que j'ai achetés dans une banque. Quand j'ai acheté ça à crédit, j'ai acheté 100 paires de bas. J'ai payé une pièce l'affaire. C'est des bas qui valent une pièce. Toi, je pourrais les revendre une pièce et une affaire. Alors, comme 100 ans sans paires, hein, à 50 cents de profit de l'affaire, dans une semaine, moi, je me fais un beau $50 de salaire. Ce matin, vers 9h30, et il n'a pas ralenti. Tout à l'heure, j'écoutais comme vous. The German unconditional surrender was signed at 8:41 Eastern Time this morning. Par la vertu de la télévision, tout un monde nouveau pénètre dans les salons des familles les plus modestes. Les téléthéâtres, qui offrent à chaque semaine une œuvre complète tirée du répertoire international, mais aussi les créations de nos premiers auteurs dramatiques. C'est la guerre est finie. C'est pas content. Ah, non, c'est pas gang de ça. C'est pas content.
On était toujours installés, la télévision était dans la salle à manger, on était installés autour de la table. Ma mère enlevait la table, puis on restait sur la même chaise, on la tournait vers la télévision pour le reste de la soirée. Puis on ne s'attendait pas à cette espèce de choc que ça avait été. Pour toute la famille, je pense, pour certains négatifs, pour d'autres positifs, mais ça avait été une espèce de choc culturel. Moi, ce que ça m'avait appris, c'est que j'avais beau admirer ce qui venait d'ailleurs, devant une pièce comme celle-là, j'avais pour une des premières fois de ma vie le droit, j'avais l'impression d'avoir le droit de faire partie de la culture, pas juste de la culture de mon pays, mais de la culture. C'était tellement fort et c'était tellement aussi fort que ce qu'on voyait qui venait d'ailleurs, que ça m'a fait comprendre qu'on pouvait et on pouvait parler de soi en s'adressant à tout le monde. Certains qu'Armand a raison. Certains que rien n'est mal appris. Mais j'ai pas d'ordre de te savoir de toi parce que c'est pas ma mère. Puis tu as jamais ma mère. Non, putain, je t'avais voulu avoir un voyou comme de la maman. C'est moi qui suis un voyou pour être capable de me dire que ta fille Marguerite est pas ma brasseur. Touche pas à Marguerite. Tu toucheras pas si t'es une bonne fille comme Violette, mais c'est pas une bonne fille. Moi, je sais ce qui est devenu, je peux te l'apprendre. Marguerite est secrétaire d'une grosse compagnie qui est en banquette. La vérité sort de la bouille des malappris par toi. Depuis 3 ans, ta fille Marguerite vend sa peau des maisons de chambre. Et toi, remets-la la porte, c'est pas vrai, oui? Que contraire, vous êtes capable. Essayez de dire le contraire. Qu'elle va se cacher. Garde la n'importe quoi avec toi, qu'elle savait. Tu dis rien, ben. Ça t'égale. C'est la faute à ta fille après tout. Hein? C'est vrai. Parle. Parle. Il est pour toi, tu restes une botte à ma tante. Comme eux autres, vous savez. Ouais, tu peux regarder la vérité en plein visage. La vérité, c'est que j'ai pas tenu ma parole. La vérité, c'est que j'ai deux à moitié de ma paix, puis j'ai pas du reste dans ma botte. C'est content, hein? Ça, c'est ta faute. C'est toi qui l'as voulu, père. C'est toi qui l'as voulu. T'aurais pas l'affaire à mettre de responsabilité si c'était pour la mettre. Je suis tout seul, j'ai 2 mois, quand je suis remonté à l'hôpital avec ma jambe cassée. Je devrais pourtant être assez vieux pour savoir qu'on n'a pas des services. Un gars comme moi, c'est pas fiable pour Saint-Saëns. Je sais pas, ça. Je sais pas encore, le prix. Je m'appelle pas Armand, moi. J'ai pas de connexion, pas de protection nulle part. J'ai pas d'avenir. J'ai rien qu'un bon rien. Un soldat manqué qui n'a même pas la chance d'aller crever comme un homme au front. Parle. Parle, dis quelque chose. Parle. Réglerai ton code demain matin. C'était dans la coulée des grands téléthéâtres, je pense, le premier aussi important, là, 2 heures de télévision, par un auteur québécois et qui projetait aux téléspectateurs une image du Québec, un miroir dur, cruel, frôlant peut-être le désespoir à certains moments, mais de notre condition de Québécois. Les mœurs, la façon d'être, les rythmes changent. Encore plus vite chez les jeunes. Même le père Legault, cet esprit novateur, a encore bien du mal à intégrer ces changements à la morale du temps. Au Vive, la première grande émission religieuse aborde, à l'aide d'un sketch, les grands problèmes moraux de l'époque. Oh! Ma fille, allez, rentre à la maison tout de suite! J'ai l'impression assez nette que le père, en trouvant sa fille dans ce club louche, parmi l'alcool, le jazz, la fumée,
Fredadon, au bord du canal, un endroit symbolique. Je pense que ce qui l'a heurté en plein front, c'est d'apercevoir sa jeune fille en jean parmi les jeunes voyous, comme il disait, en jean également, une belle Macédoine. Remarquez que je ne suis pas prêt à dire que les jeans sont nécessairement un costume immoral, mais leur inconvénient, c'est d'enlever à la jeune fille sa féminéité, cette qualité qui lui appartient en propre, qui est précisément la grâce physique qui appelle la politesse et la courtoisie chez les garçons pataux et maladroits. C'est dans ce contexte assez particulier que la télévision va créer tout un monde de variété entre le show business américain et le music-hall français, avec ses artistes, ses danseurs, ses chanteurs, nos premières vedettes. Qui n'avait pas les pieds plats, m'a appris les claquettes, les chimies, etc. Elle m'a dit pour gagner sa pitance, la danse, y'a que ça. C'est pour l'amour, mais le boulot quand il n'est pas là. Pour les autres, il faut faire comme mon Dieu, etc. C'est pas qu'on donnera après devant la rampe, les grands. C'était la première fois que les gens pouvaient non seulement voir une Édith Piaf ou bien, je sais, un Charles Trenet, une émission de Ed Sullivan disant « How are you, Ed ?» Vous comprenez, c'est tout ce qu'ils arrivaient à dire en anglais. Là, non seulement ils les voyaient en chair et en os, on peut dire, mais ils étaient interviewés et ils avaient l'impression de vraiment apprendre à les connaître et puis qu'ils leur appartenaient vraiment. Monsieur Montand, êtes-vous prêt ? Voilà. Voilà, voilà. C'est votre tour maintenant. Eh bien, on va y aller. Alors, bonsoir. Merci, vous en prie. Bonsoir. Salut les copains, les amis, comment va aujourd'hui? Depuis ce matin, tout va bien et la vie me sourit. Je suis plus heureux que celui qui a gagné le gros lot. J'ai trouvé une fille à aimer. Et je n'ai pas encore compris ni pourquoi ni comment. Mon cœur s'est noyé dans les yeux d'une gosse de 20 ans. L'an dernier, plus d'un demi-million de Canadiens ont marché, patiné, couru pour pousser la recherche sur le cancer plus loin. Cette année encore, tout est possible. La 12e journée annuelle Terry Fox, le 20 septembre prochain. Avec ses semblables, ça a été dit par un homme qui est à la fois un précurseur de la télévision au Canada et aujourd'hui directeur général de Radio-Canada, donc c'est une excellente définition. Ben, la télévision, justement, véhicule, a essayé depuis 5 ans de véhiculer même des choses assez difficiles et de les rendre visuelles comme des idées, des chicanes que les idées engendrent presque automatiquement, et des événements, enfin d'être le reflet et aussi l'écho de toutes ces choses, tous ces courants qui traversent notre monde. Juin 1953, le couronnement de la reine Élisabeth II ouvre le plus long règne d'un souverain britannique depuis Victoria, sur un empire à l'agonie. Juillet 1953, un armistice met fin à la guerre de Corée. Bilan officiel de ce premier grand conflit entre les blocs communistes et capitalistes, 2 415 600 tués, blessés et disparus. 16 mars 1955, Maurice Richard est suspendu pour la durée des éliminatoires par le président de la Ligue nationale, Clarence Campbell. C'est l'émeute sur la Sainte-Catherine.
Printemps 1955, à la suite de l'accord signé par le Premier ministre Louis Saint-Laurent et le président Eisenhower, la construction de la voie maritime du Saint-Laurent avance rapidement. Le Canada se détache de l'Empire britannique et s'associe comme jamais à la nouvelle superpuissance américaine. 5 décembre 1955, à Montgomery, Alabama, des racistes blancs s'attaquent à des noirs qui contestent la ségrégation raciale. Mais le mouvement pour l'égalité est lancé pour de bon. 18 mars 1956, Khrouchtchev, à la tête de l'URSS, publie un rapport secret sur les horreurs de Staline auquel il vient de succéder. Le communisme n'aura plus jamais le même visage. 8 mois plus tard, il fait envahir la Hongrie en révolte. 10 juin 1957, John Diefenbaker est élu premier ministre. Il met fin à 2 décennies de pouvoir libéral à Ottawa. Nous avons plusieurs candidats de langue française sous les rangs de la Québec et dans les autres parties du Canada. 4 octobre 1957, à la surprise du monde, l'Union soviétique met en orbite le premier satellite artificiel de la Terre, le Spoutnik. Du côté américain, c'est moins brillant. Les États-Unis sont en train de perdre la course à la conquête de l'espace. 4 novembre 1958, l'Église catholique a un nouveau chef, Jean XXIII, le bon pape. Il convoque le premier concile depuis un siècle. L'Église cherche à s'adapter au monde moderne. 2 janvier 1959, les rebelles de Fidel Castro, partis de la Sierra Madre, chassent le dictateur Batista et proclament leur gouvernement révolutionnaire. Le 8 janvier, ils entreront à La Havane. Est-ce que vous avez l'impression, parmi les gens que vous avez vus, soit comme participants ou comme auditeurs qui en parlent, que le choc se produit vraiment avec la télévision, que ça accroche? Mon Dieu, oui, j'ai l'impression que ça accroche beaucoup, parce que des questions qui étaient discutées par un très petit nombre de gens dans des publications qui n'avaient presque pas de tirage, sont, par la télévision, sont devenues le pain quotidien de la discussion d'à peu près tout le monde. Radio-Canada est en situation de monopole, ce qui n'est pas rien, elle est la seule télévision, et puis dans une société qui est de moins en moins monolithique, à savoir la pré-révolution tranquille est déjà en place, des nouvelles élites se développent, la vieille garde est en train de disparaître, le duplessisme et le cléricalisme chantent peut-être leur dernier chant du cygne, et on est très à la veille de déboucher dans ces années mouvementées 60. À l'intérieur de cette période 50, déjà l'information nouvelle comme affaire publique est extrêmement active, il faut bien en convenir. Ainsi, une équipe comme celle de René Lévesque, qui dirige Carrefour avec une Judith Jasmin, avec un Jacques Languérand et combien d'autres, ça tourne pas autour du pot et puis ça soulève des vrais problèmes. Or, nous sommes dans une société qui est à ce moment-là en pleine ébullition, qui se remet en question et que Radio-Canada, bien sûr, contribue aussi à se remettre en question. Ils nous appelaient les gauchistes du temps et je crois que nous avions peut-être mérité cette appellation. Oui, vraiment, nous étions en lutte contre cette société qui se refermait sur elle-même, qui refusait d'évoluer, qui refusait de voir ce qui se passait ailleurs, qui brimait un peu les idées nouvelles. Non, je crois que nous avons lutté contre ça. Et Radio-Canada, ceux qui étaient journalistes à Radio-Canada, évidemment, de temps en temps, ça perçait. C'est la télévision qui a lancé la carrière publique des deux grands personnages de notre histoire contemporaine. Au cours de cette première décennie, elle a joué ici un rôle politique qu'on ne retrouve dans aucune autre société occidentale développée. La qualité de Trudeau, c'était une sorte de présence calme et une sorte d'autorité intellectuelle qui, une pensée assez claire et organisée, qui faisait dire aux gens qui l'écoutaient, voilà un gars qui sait ce qu'il veut et il sait où il veut aller. C'était l'impression qui se dégageait. Qu'il avait un projet de société, qui avait pensé à l'ensemble du problème et qui proposait à des gens
pas ce qu'on appelle aujourd'hui des band-aids ou des solutions ponctuelles sur de petites questions, mais qui avaient une conception à la mesure des problèmes d'un pays. Pourquoi dites-vous que cette cité libre veut libérer la cité de cet ordre chrétien? C'est tout à fait un postulat qui vous est personnel. Vous, vous dites ces gens-là n'ont pas les mêmes réformes que moi. Donc, par conséquent, c'est des gens qui ne veulent pas la continuation de la cité chrétienne. C'est ça votre postulat. Mais je ne dis pas vous que dites... moi, parce que je crois vous pouvoir vous dire... Prenons le pape qui est le chef de l'Église. Oui. Bien, je crois lire à peu près tout ce qu'il dit chaque semaine. Bon. Dans l'Observatoire Romano. Et puis quand je dis cité libre, bien, je n'ai pas du tout l'impression qu'on va du tout dans le même sens. Non, mais d'autres gens que vous lisent le pape et ont l'impression qu'ils, mon Dieu, ils ne sont pas en contradiction avec le pape quand ils écrivent. Et vous, votre solution, c'est de tomber à genoux devant Dieu justicier, lui demander de, mon Dieu, que son règne arrive. Mais alors, ceux qui veulent véritablement agir pour que ce règne arrive, suivant leur conception... Mais croyez-vous que ça n'est pas agir que de demander sur le plan social l'organisation professionnelle corporative que les papes ont demandé 14 fois depuis 20 ans, et tous les catholiques sociaux, semble-t-il, pas tous, non, mais trop nombreux sont les catholiques soi-disant sociaux qui veulent de toutes les formules socialisantes, collectivisantes ou libéralisantes, mais jamais... de cette vraie démocratie économique qui consiste à demander aux employeurs et aux salariés de prendre ensemble leurs affaires et de faire ensemble l'organisation de la production. Pourquoi est-ce qu'on n'en parle jamais? Mais parce que c'est de la foutaise. Ce qui était frappant dans le cas de René Lévesque, il avait un don assez extraordinaire. C'est qu'en l'écoutant, on n'était pas porté, notre réaction n'était pas « comme cet homme est brillant ». La réaction était, je ne suis pas si bête que ça, je comprends la politique internationale qui m'explique. Il faisait prendre conscience aux gens de leur intelligence. Et ça, c'est un don absolument remarquable. À ce moment-là, donc en 52, eh bien, ce graphique ici, là, qui est le Canada, juste indiqué par les Grands Lacs, les États-Unis au sud, ce graphique, il y avait seulement deux points noirs dessus, Montréal et Toronto. Maintenant, il y a tout ça. Tous ces points, des postes d'émission, il y a les 4/5, 80% des Canadiens qui sont à portée d'un poste d'émission actuellement, et il y a beaucoup plus. Ça, c'est les chiffres du début de 57. Maintenant, c'est tout près de 3 millions d'appareils récepteurs dans les foyers pour les prendre, ces programmes. Autrement dit, il n'y a pas de pays au monde, pas même les États-Unis, où ça s'est développé aussi rapidement qu'au Canada. Évidemment, nous aussi, on est un pays riche. Ça fait qu'on n'a pas tellement de mérite. On avait les moyens de se payer ça, on s'est les payer, on peut dire ça. Il y a quand même une chose, là. Ce phénomène qui n'est pas tellement méritoire, mais là, il y a le mérite au moins de l'intérêt national bien compris. Une chose qui est d'avoir établi rapidement cette ligne, qui est une autre de ces lignes vitales pour nous, si c'est vrai que ça vaut la peine de rester canadien quant à l'être devenu, ben, de ces lignes vitales est-ouest, qui font le Canada en fait, qui résistent, si vous voulez, à cette attraction, à ce bloc magnétique séducteur énorme là, qui est notre voisin, les États-Unis, et aussi à toutes les forces naturelles, les montagnes, les fleuves, enfin toute l'Amérique du Nord est bâtie nord-sud. Et seulement nous autres, on va contre le courant, en voulant rester ce qu'on est, on est des Canadiens Est-Ouest. Et c'est pour ça que depuis 90 ans, on a fait la Confédération Est-Ouest, les chemins de fer Est-Ouest, tout le reste. La route France-Canada, qu'on finira peut-être un jour. Le réseau de radio, puis maintenant le réseau de télévision. C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Se voir, c'est se découvrir. La grande découverte qu'a été la télévision en couvrait une autre, celle des Canadiens français eux-mêmes, à travers leurs héros, leurs personnages, leurs conteurs, leurs poètes. Je vais mourir, quelle balade, je me serai petit, tendre et soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. Ce serait mon cadeau. Bon, écoute, là, ça suffit. Daniel donne peu d'espoir à Didier. Oh non! Hey, c'est pas vrai! Parce que vous pensez que j'entends des cornifliers. Et Henri promet la lune à Daniel. Marilyn, demain 19h. Tout est passé. Tout est passé. L'an dernier, plus d'un demi-million de Canadiens ont marché, patiné, couru pour pousser la recherche sur le cancer plus loin.
cette année encore, tout est possible. Tout est possible. Oh yeah. Come on. La 12e journée annuelle Terry Fox, le 20 septembre prochain. Voici deux animatrices de télévision en tout point semblables. Bien que la première soit exubérante et enflammée, et la seconde rigoureuse et ordonnée. Deux natures en contrepoint, mais un seul personnage sans demi-mesure. Une femme attachante et étonnante. Une journaliste sérieuse et curieuse. Tout comme elle, les invités de Denise Bombardier partagent ces qualités en apparence contradictoires. Ils se confient en direct. Raison passion, jeudi soir. Moi, j'aime être chouchoutée et pas juste par toi. Ah oui? Oui, j'ai décidé de me laisser chouchouter par Cogeco Cab qui, toutes les semaines jusqu'à la fin de l'année, fait tirer un super voyage pour deux à Cuba parmi tous ses clients. Ouais. Et Cogeco Cab nous chouchoute encore plus avec son forfait prise additionnelle qui offre une économie moyenne de 29 $. Tu sais, chérie, ça me donne des idées. Faire câbler le téléviseur de la chambre? Nous sommes en promotion. Des offres en or vous attendent. Appelez vite 1-800-665-PROMO. Alors on va commencer tout de suite, voici le premier jeu avec les personnes qui vont y participer. Voulez-vous nous les présenter, Suzanne, s'il vous plaît? Oui, nous commençons en beauté, Roger, avec une très jolie jeune fille, mademoiselle Louise Bernier de Montréal. Bonsoir, mademoiselle Bernier, vous avez raison, Suzanne. Et monsieur Henri Baudouin de Saint-Jacques, comté Montcalm. Bonsoir, monsieur Baudouin. Les années 50 sont des années joyeuses, de prospérité. Après deux décennies de privation, on a enfin accès à tout ce qui fait le confort moderne. C'est le début de la société de consommation. Le début aussi des quiz télévisés. Comme si on avait trouvé une poule aux œufs d'or. Bonne chance, vous avez 10 secondes pour décider entre l'un ou l'autre. Vous allez risquer l'œuf. Ben, je vous félicite, monsieur. On va serrer la main. Bonne chance. L'œuf numéro 5. En voici le contenu. Oh, c'est beau, ça. Eh bien, vous avez bien fait. En effet, vous gagnez une repasseuse électrique entièrement automatique. Une valeur de 250 $. Vous êtes content? Alors, voici le prix qu'on a le plaisir de vous offrir. Si vous voulez, nous allons nous tasser un petit peu de ce côté-là. Et le rideau, s'il vous plaît, Henri, pour vous le présenter. Eh bien, pour vous, cher gagnant, ce magnifique fauteuil à contours ajustables pour votre plus grand repos. Alors, monsieur... Si vous voulez bien, monsieur, l'essayer. Voir si vous le trouvez confortable. Vous savez que c'est un 1. Ça serait une bonne idée, ça, de prendre une photo. Alors, vous voyez, c'est un fauteuil qui se renverse. Ceci. Vous pouvez le ramener comme ceci. Et donne donc une fleur à monsieur. C'est ça. Et tiens-toi donc juste en arrière de monsieur pour prendre une bonne photo. Alors, attention, le sourire. Le sourire. 1, 2, 3. Allez-y, les petits oiseaux. Le temple ouvre ses portes. Pour la première fois, tous peuvent voir un match de hockey des Canadiens. Mieux, les Canadiens de la grande dynastie des années 50. C'était le fun. Je veux dire, le hockey, c'était une religion. Dans la famille, il y avait le chapelet, puis il y avait le hockey qui marchait à ce moment-là. Puis... disons qu'aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Le hockey est demeuré une religion encore. Les gens sont vraiment maniaques du hockey. Moi, j'avais le droit d'écouter une période à la télé. Souvent, je descendais dans les marches d'escalier puis regardais à travers les barreaux. Mais il avait toujours le don de le savoir, mais souvent, il savait puis il me laissait aller. Voir Maurice Richard, qui devient en 1952 le plus grand compteur de buts de l'histoire du hockey. Richard! Richard, encore! Et le point! Et voilà le point! Le 325e but! Lorsque tu me vois à la télé, mais t'essaies le lendemain matin, tu vas dormir sur un jeu que tu as vu, tu veux le faire le lendemain matin sur la patinoire.
Tu veux imiter certains joueurs aussi. C'est l'époque du Big Four et des Alouettes de Sam Etcheverry qui affrontent ici Don Getty et ses Eskimos d'Edmonton. Une superbe passe d'Etcheverry à Al Patterson dans la zone des Alouettes. Une passe aérienne de 30 verges. Du baseball aussi. Du temps où le stade s'appelait Delorignier et l'équipe les Royaux. La première équipe professionnelle à admettre un noir dans ses rangs. Oh baby, Contrairement à ce que veut la légende, c'est au moment où la télévision arrive qu'on fait le plus d'enfants. C'est le baby boom. À la fin de la décennie, la moitié de la population du Québec a moins de 20 ans. Ces enfants, qui grandiront avec la Révolution tranquille, ont en plus la grande chance de nourrir leur imagination d'émissions d'une qualité telle qu'elle est la marque distinctive de la télévision d'ici. Ce sont des petits-enfants d'un nouveau type. Hein, ce sont des enfants qui ont été voulus d'abord par leurs parents. Ce sont des enfants qui vivent dans un... On parlait de la consommation. Ce sont des enfants qui vivent dans un monde dont les enfants avant eux n'ont jamais eu idée. Hein, un monde dans lequel il y a des jouets, un monde dans lequel on sort en auto avec ses parents, un monde dans lequel on va au parc, un monde dans lequel on va à l'école et un monde dans lequel on écoute la télévision. Il n'y a jamais d'enfants qui ont connu ça jusque-là. Les enfants jusque-là étaient vraiment tenus plus ou moins à l'écart. Hein. Mais voilà que les enfants, dans les années 50, deviennent, pour ainsi dire, les rois de la société. Bonjour, bonjour mes trésors. Regardez les belles fleurs qu'on vient d'apporter à grand-père. N'est-ce pas qu'elles sont... Oh, qu'elles sont fraîches, qu'elles sont belles. Vous permettez, je vais les mettre tout de suite dans l'eau. J'ai justement un beau vase en verre taillé, là. Il fallait qu'on puisse dire aux parents, écoutez, si à 9h ils ne sont pas couchés, c'est bien dommage, mais c'est votre problème. Parce que de telle heure à telle heure, on a des émissions pour vos jeunes, elles sont bonnes, il n'y a pas de violence, il n'y a rien... C'est irréprochable de ce point de vue-là, puis ça va être parlé dans un bon français. On ne leur donnera pas de mauvais exemples à aucun niveau. C'est comme ça qu'on a gagné la bataille. Et on a mis le paquet sur les émissions d'enfants. Comme tous les enfants de ma génération, j'ai eu une grande passion pour Pépino et Capucine, mais quand j'étais enfant, encore maintenant, c'est pas que je prends toujours pour les méchants, mais j'ai toujours une propension à trouver plus sympathique et plus intéressant les personnages de méchants que les personnages de bons. Alors j'aimais beaucoup Pampan. Quand on regardait Pépino avec mes amis, chaque semaine, on choisissait un personnage. Une semaine, il y en a un qui disait, ah bon, l'ours, c'est moi, ou Pépino, c'est moi cette semaine, puis Capucine, c'est moi, puis là, bon. Puis ensuite, le reste de la semaine, on jouait à Pépino et Capucine. Puis moi, je voulais toujours être le méchant, je voulais toujours être Pampan. Moi, je costumais déjà mes amis. Il y en avait une que j'imaginais en fanfreluche, l'autre en pirate maboule. Madame Becsec qui était toujours quelque part dans son coin. Alors, la boîte à surprise, pour moi, c'était vraiment la boîte à émerveillement. Je te dis bonjour, tiens, tout de suite. J'attends pas la fin pour t'envoyer une bise. Tout de suite. Bonjour, petite Francine. C'est toi, jeudi. Bonjour, mon ami. Quand tu verras le sourire de la fleur, personnage de couleur, quand tu verras le baiser du soleil,
sur ta bouche vermeille, quand tu verras revenir l'hirondelle sur la branche nouvelle. Je me souviens que tout ce qu'on voulait faire, c'était vraiment de faire plaisir aux jeunes, faire plaisir aux enfants. Et on n'avait vraiment pas de volonté pédagogique, où on voulait pas les... On cherchait pas, si tu veux, à les éduquer, à les instruire. Je pense qu'on en plus de leur faire plaisir, je pensais que ça a sûrement contribué à un certain éveil chez les jeunes, les jeunes qui regardaient la boîte à surprise. Moi, les premiers costumes que j'ai dessinés, c'était hommage à Fanfreluche, quelque part. C'était tellement extraordinaire de voir ça. Mais en même temps, la télé, c'était aussi des moments de réflexion. Moi, je me souviens tellement de Maman Fonfon, je pourrais même vous chanter ça, toute la chanson. Il y avait quelque chose de très, très personnel. Moi, j'étais sûr que Maman Fonfon, lorsqu'elle disait « Jean-Claude, tu es mal assis, je te vois écrasé par terre », j'étais sûr qu'elle me parlait à moi. On chante tout ensemble, fort, fort. Qui ne chante pas d'habitude, là? Allez, tout le monde chante ce matin. Un petit Fonfon, les petites mains à droite. Un petit Fonfon, trois petits tours et puis s'en vont. Clac, clac, elles sont habiles, les petites mains agiles, mettant les yeux le côté, dans ses mains à droite danser. Oh, j'ai bien hâte de voir la tête de Bobinette va faire quand elle va rentrer. Justement, on l'attend aujourd'hui. Gustave, Gustave, as-tu entendu un bruit des pas de cheval? Bon, c'est sûrement Bobinette, tiens. On va la laisser rentrer. Moi, je vais aller me cacher. Mademoiselle. Oh, Bobino. Ah, ah, Bobinette. Et puis, Bobino. Bon, écoute, là, ça suffit. Daniel donne peu d'espoir à Didier. Ah non, hey, c'est pas vrai. Parce que vous pensez que j'entends des cornifliers. Et Henri promet la lune à Daniel. Marilyn, demain 19h. Ce jour-là, dans l'Arctique, il faisait noir. La lune régnait comme une reine dans son royaume nordique. Inuvik, territoire du Nord-Ouest, 200 km au nord du cercle polaire. Il fait un froid à vous glacer le sang. Les gens trouvent, malgré tout, le moyen de mettre un peu de chaleur dans leur vie. Ici, on en a besoin, plus qu'ailleurs. Car en décembre, le soleil prend congé. Pas pour un jour, mais pour un mois. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. C'est la veille du premier lever de soleil de l'année. Aujourd'hui, qu'on soit Inuit, Indien ou Blanc, on fête. Quand on vit dans la noirceur totale pendant un mois, il n'y a rien de plus beau, de plus magnifique que le premier lever de soleil. L'argent. S'il fait le bonheur des uns, il fait aussi le malheur des autres. L'argent sans patrie, l'argent sans odeur, parfois aussi destructeur que bienfaisant. Découvrez l'impact des grandes politiques économiques sur vos vies. Sachez comment les gouvernements dépensent votre argent. Un magazine économique inquisiteur et percutant. À tout prix, jeudi soir. Une invitation du Musée des arts et traditions populaires du Québec à Trois-Rivières.
7 septembre 1959, Maurice Duplessis meurt. Et son époque avec lui. La semaine prochaine. Fini le salissage des réputations. Les gens n'y croient plus. Le Québec entre en révolution. L'Église catholique cherche dans un concile une réponse aux défis que lui pose le monde moderne. 11 octobre 1962. La pluie est sur le point de cesser. Pour l'Église, la grisaille est sur le point de laisser place à un soleil de printemps. La jeunesse fête et rêve en couleur. C'est l'amour, ben, on pense rien qu'à ça. La nature, les fleurs, c'est l'amour, la drogue, tout ce que c'est calme, c'est. Tu te reposes, t'as pas de trop, tu sais. Un homme marche sur la lune. Canada. Il faut changer l'image de la compagnie. Et c'est d'eux qui se montrent jamais en face. J'aimerais savoir un fils de toi. Je suis la seule personne ici qui a encore envie que la compagnie se développe. Je n'arrive pas à trouver ma place. La suite de L'or et le papier, dès demain, 20h. Si un jour vous avez eu entre les mains un billet de 1 000 $, avez-vous remarqué le pont couvert au verso? C'est par la rivière Saguenay qu'il faut aborder l'Anse-Saint-Jean. Que l'on parte de Tadoussac ou de Ville-de-la-Baie, le trajet est parsemé de scènes spectaculaires. À mi-chemin, c'est l'Anse-Saint-Jean, un village pittoresque situé au fond de la petite baie en forme d'anse. Les premiers colons étaient venus en 1838 faire la pinière. 30 ans plus tard, les grandes forêts de pins blancs sont déjà décimées. Depuis, l'exploitation des richesses naturelles a fait place au tourisme. Été comme hiver, le village est une halte bienvenue, l'endroit rêvé pour s'offrir quelques jours de calme et de tranquillité. Ah oui, le fameux pont couvert du billet de 1 000 $. Il est à l'Anse-Saint-Jean. Juste pour rire, dimanche, 19h30 à CKTM Télévision. Tout est bénévole. Alors, wow. Pour des gens qui ont chacun un métier, de faire une chorale comme ça, c'est exceptionnel. Alors moi, j'ai décidé de les marrainer. C'est alors, gentil. Ils vont être au Jésus ici à Montréal. Oui, le 9 et 10 décembre. Et le 10 décembre. Oui. Alors, ils ont fait des tournées à travers le monde, à peu près une quinzaine de tournées. Ils ont un répertoire de
pas seulement de chansons de Noël, mais ils ont des disques, des CD, des cassettes, surtout la chanson française. Et là, le spectacle qui va avoir lieu au Jésus, c'est une espèce de grand conte. C'est un conte, c'est une gang de lutins qui descendent dans un village. Et là, ils découvrent dans ce village-là les villageois qui sont tous gelés. Puis ils décident de les dégeler et de les faire chanter, de les faire vivre la fête de Noël. Mais là, tout d'un coup, les lutins s'aperçoivent qu'il n'y a pas rien que Noël là où est-ce qu'il fait, fret, où est-ce qu'il neige. Hein? Il y a aussi Noël sous les palmiers, il y a aussi Noël en Provence. Alors à ce moment-là, les lutins, ils vont commencer à tout raconter au public. Choses qui me font rire. Alors, je regarde l'émission le dimanche, c'est devenu un espèce de running gag entre nous. Il sait très bien se servir de l'électronique et tout ça. Et je veux dire, tout à coup, de voir une image sortir de mon oreille et devenir le sketch suivant, c'est une chose en 1990 qui me fascine, alors que j'ai fait de la télévision en noir et blanc en direct à l'époque, ça s'appelait Le Survenant, puis il n'y en avait pas d'image qui sortait de mes oreilles d'enfant-là. Ouais. Alors maintenant, je trouve ça merveilleux. Par contre, Régent, si lui, vous gardez en lui cette curiosité et cette jeunesse, sûrement que lui, en tant que comme professionnel d'expérience, il vous apporte beaucoup également. Bien, c'est bien sûr, parce qu'il y a sûrement par les questions qu'on peut apprendre, mais aussi par le fait de regarder aller quelqu'un qu'on apprend. Tant au niveau du texte qu'au niveau de la façon de bouger, de se déplacer et de jouer, que juste à le voir aller, moi, en tout cas, ça me vaut... Il n'y a pas de cours, je pense, pour aller avec ça. C'est l'expérience sur le tas, et lui m'en fait énormément profiter. Et au bon bout de tous, qui travaillent avec nous autres, je pense que... Vous, André, lorsque vous étiez jeune, est-ce qu'il y avait des gens qui vous faisaient confiance, comme vous faites confiance aux jeunes, Marie? J'ai eu l'extraordinaire privilège, à l'âge de 22 ans, d'écrire des textes de revue pour Juliette Béliveau, qui est une des plus grandes comiques qu'on a eu ici au Québec, et de jouer jusqu'à 1920, de 22 à 27 ans, j'ai été un des partenaires de Mme Béliveau. Et on faisait des parodies où elle faisait Édith Piaf, moi je faisais Théo Sarrapeau, elle en avait 74. Et j'écrivais des textes de revue, puis elle venait me voir en me disant, est-ce que je pourrais pas changer tel mot? Je disais, Mme Béliveau, faites ce que vous voulez. Et j'avais la chance de jouer avec elle, de faire des chansons avec elle. Alors, vous imaginez ce que j'ai appris. Et c'était, et elle était comme ça, elle avait 74 ans. Elle faisait une émission de télévision dans la journée. Elle venait jouer au théâtre le soir, ses revues puis ses pièces au rideau vert. Puis elle allait faire du club après. Et elle avait... On pensait même pas que cette femme-là avait 74 ans. Donc, peut-être que c'est ça aussi qui m'a un peu influencé dans ma façon de penser, dans ma façon d'être avec le monde. Tu sais, je veux dire, il n'y avait pas de barrière entre elle et moi. J'en avais 25, puis elle en avait 74. Et elle avait confiance. Oui, mais je suis sûr qu'elle ne pensait pas qu'elle avait 74 ans. Elle avait découvert, elle a un nouveau partenaire, sauf qu'elle avait 25 ans, puis qui écrivait. Mais pour elle, il n'y avait pas du tout de problème de génération. Pour moi, pour elle, la génération n'existait pas. Il n'y a qu'une chose qui existait, c'était le rire, le produit final. Et, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est essentiel dans le comique, d'en arriver à faire cette espèce de relation-là où il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de barrière nécessaire. Et s'il y en a, il faut les briser le plus tôt possible pour qu'on puisse arriver à faire que tout le monde ensemble, de façon collégiale, avec des limites, c'est sûr, mais de façon à ce qu'on accepte les changements et les contre-propos de chacun pour en arriver à faire un show qui va être le plus drôle possible. Et ça, c'est particulier à la comédie. Mais dans ce style de comédie-là, l'ego trip ne peut pas exister. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas exister. Il faut que l'acteur trouve même des choses pour l'autre acteur à côté. S'il y a quelque chose qui va servir le punch final, c'est d'apprendre à... si c'est pas toi qui l'as. Ah oui, oui. Et c'est ça qui arrive dans Rire à bien. C'est cette espèce de générosité qu'il y a entre chaque intervenant. Ouais. Ça, j'ai rarement connu ça. J'ai connu ça dans Larry Boulding, justement. C'est vrai? C'est ça qui existe. Moi. Oui, oui, ben, c'est ça. Je suis entouré de monde qui me regardait quand il était bébé. Mais on vous aime encore. On vous aime encore. Là, je viens d'entrer dans l'âge des hommages. On commence à me rendre hommage. Aïe, 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 aïe. Moi aussi, ça me fait peur que tu me fasses cet honneur d'être ici en même temps, parce que je suis bon, en même temps que je sais qu'il y a du travail intéressant qui se fait, je me sens aussi vieux. C'est une marque, oui, de prestation. Tu vois, ouais, ça du travail. Ça s'accepte très bien. J'ai l'impression quoi de voir aller. De vous laisser là, dans votre club d'admiration mutuelle, et puis nous, on va revenir après la pause, si vous voulez bien, pour le mot de la fin. Thank you.
Quand on fait son marché, on veut économiser au maximum. C'est pourquoi, en plus de ces aubaines hebdomadaires, IGA lance les Duraprix IGA. Des centaines de produits qu'on aime à prix réduit semaine après semaine. Des marques renommées à des prix qui nous font économiser davantage chaque semaine. En ajoutant les Duraprix aux aubaines hebdomadaires IGA, on économise au maximum tout en profitant du service personnalisé auquel on est habitué. Les Duraprix IGA, ça, ça nous simplifie la vie. La vie d'artiste, c'est pas toujours rose. Mais la vie de femme d'artiste et de mère d'artiste, c'est pas de tout repos non plus. Mais entre les flamants roses et les sans-ouates, je réussis à m'organiser. C'est pour ça que moi, les gros maux de tête, je connais ça. Et j'utilise Anacine. Anacine contient la bonne dose de médicaments. Pas trop forte, pas trop faible. Et pour les maux de tête les plus tenaces, Anacine, c'est en plein ce que je veux. Quel que soit le genre de surprise que la vie me réserve. Retrouvez la fraîcheur et le charme de l'enfance avec Gamin Gamine, des tenues fantaisistes, sportives ou romantiques de la naissance à l'adolescence. Un univers d'harmonie avec Gamin Gamine. Duo, confort et naturel pour l'homme et la femme qui se veulent différents. Duo, un style qui s'affirme de plus en plus. Pour une alliance de classe et de bon goût, voyez les nouvelles collections chez Duo. Pour les gens bien dans leur peau, Duo et Gamin Gamine. Cap de la Madeleine, Trois-Rivières et Nicolet. Du lundi au vendredi à 12h30. Ouvrez le grand journal de la Mauricie. Minutes d'information internationale, nationale et régionale. Le grand journal de la Mauricie, du lundi au vendredi 12h30 à CFKM Télévision. Il y a quelques années, vous avez complètement laissé de côté le personnage de Christian Lalancette en disant qu'il était en train de détruire le comédien André Montmorency. C'était Christian qui prenait le devant. Il y avait eu danger, là. Et vous êtes revenu au personnage, tout de même. Je ne pensais pas qu'il était en train de détruire. Je pensais que si je le quittais pas, il risquait de me marquer à tout jamais dans l'esprit du public. Identifié complètement. C'est ça. Heureusement, il y a eu tout de suite après des grands premiers rôles au théâtre, qui pour moi est le grand amour de ma vie. D'abord, c'est le théâtre. Et j'ai eu la chance de jouer des rôles comme le bourgeois gentilhomme, le roi sommeur de Ionesco, des rôles de répertoire très solides qui ont montré à... pas aux gens du milieu, parce que les gens du milieu savaient que je pouvais faire autre chose que Christian, mais au public qui ne me connaissait pas avant Christian, et qui sont... ça m'a fait plaisir de voir que pour le bourgeois gentilhomme, des gens étaient venus voir ça parce qu'ils m'avaient aimé dans Christian. Et quand Denise m'a dit « ça te tente-tu de reprendre le personnage? » Oui, maintenant, il n'y a plus de danger. Parce que... la carrière s'est installée autrement, puis là, il y a des assises un peu plus solides qu'à l'époque. Mais de revenir à un rôle que l'on a créé, il a évolué, Christian, là, quand même. Oui, tout à fait. Il doit avoir une certaine crainte à faire ça aussi, savoir s'il va connaître le même succès. Oh, mon Dieu, oui, il y a une crainte. Mais ça me permet de dire quelque chose que j'ai reçu un téléphone qui m'a plu la semaine dernière. Parce que Christian n'a plus sa perruque rousse. Il y a ma tête avec une espèce de queue de cheval derrière. Il n'y a plus ses jewels. Alors que les gens m'arrêtent sur l'air en disant « Hey, les jewels! » Tu sais. Alors je me dis « Qu'est-ce qui va arriver quand je n'aurai plus les jewels? » En fait, il y a une petite gourmette, en fait, des choses en argent derrière. Ouais. On a essayé de le faire un peu plus mature qu'il l'était, moins enfant. Ça, il y a encore des côtés très, très flyés. Et j'ai dit à Filiatra, à un moment donné, peut-être que les gens raccrocheront plus. Là. Et l'émission... est amené ici à TQS et visionné par des gens qui viennent assister à des courses, des choses comme ça. Et Denise est là pour diriger, et puis les gens voient les images, et il y a des rires dans bouteillé de cette façon-là. Et elle m'a appelé le lendemain, elle dit, t'inquiète pas, dès que tu ouvres la porte, les gens hurlent. T'as pas un mot à dire, les gens t'aiment. Et ils aiment ce personnage-là, et puis ça, c'est exactement comme c'était à l'époque, puis ils se posent même plus la question si j'ai plus de joueuse ou si j'ai pas les chevaux. Ouais. Ils ne se posent pas de questions, ils aiment le personnage. Et vous l'aimez, ce personnage-là? Ah oui, je l'aime, je le trouve vraiment très sympathique. Et ça m'a manqué, cette espèce de façon qu'il a de dire les choses. C'est très, très facile pour moi de jouer ce personnage-là. Et ça me manquait, à un moment donné, d'avoir cette facilité-là à dire des répliques. Parce que Denise me connaît aussi et connaît bien le personnage. Mm-hmm. Alors, il n'y a presque pas d'effort à faire chez moi pour l'apprendre, le texte. Parce que dès qu'il arrive une situation...
j'ai comme, je sais à peu près ce qu'il va répondre, qu'est-ce qu'il va répondre dans telle circonstance. Et je connais aussi assez bien Denise pour savoir qu'est-ce qu'elle va m'écrire à ce moment-là. Alors, ça devient une espèce de seconde nature, le moment où je suis en train de le jouer, c'est un état très agréable. Un autre auteur qui vous passionne, c'est Molière. Ça, c'est véritablement la grande passion. Oui, oui. J'ai fait du théâtre pour jouer Molière. Aussi clair que ça? Ah oui, oui. Quand j'étais jeune, j'adorais, je lisais ça et je rêvais de jouer ça. Et j'ai joué Molière pour la première fois à 46 ans. J'avais 48 même. J'avais jamais joué Molière de toute ma carrière alors que j'avais voulu faire le métier pour jouer Molière. J'étais au Rideau Vert au lieu d'être au TNM. Le TNM était à la maison de Molière et le Rideau Vert jouait du Marivaux. Mmh. Alors que Marivaux ne me passionne pas plus que ça. Et j'avais quelque chose en moi qui... J'étais un peu frustré de penser qu'au TNM, on jouait tous les Molières. Mais en même temps, je me dis, tout est à une raison. J'ai pas joué Molière, mais quand je l'ai joué, oh là là! La maturité, n'est-ce pas? Là, j'étais prêt à jouer Molière et ça, je suis rentré là-dedans comme dans le salon chez nous. J'apprenais le Bourgeois gentilhomme chez moi. Je passais 2 heures tous les matins, 6 mois avant de jouer le rôle, à apprendre à travailler le Bourgeois gentilhomme. Et je lisais certaines répliques une fois et elles sortaient tout de suite. En tout cas, nous, on a eu tellement de plaisir à vous voir dans le Bourgeois gentilhomme. Ça a été un plaisir également de vous recevoir ce soir. Merci infiniment, André Montmorency. Merci, Louise Bourgeois. Je vous invite à être des nôtres dimanche prochain à 18h pour une autre série de Carnet. Au revoir. En primeur, ce soir, 21h, retrouvez Kevin Bacon et Elizabeth McGovern dans le grand succès américain Les Surprises de la vie, version française de She's Having a Baby. À voir sur nos ondes ce soir, 21h. Restez à l'écoute. Dans un moment, voyez Caméra 90 avec Danny Lemay. Ensemble, ils forment une équipe du tonnerre. Remington Steel. Télémétropole, en collaboration avec les Marchands Unis, vous présente La Grande Noce. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette émission très spéciale, La Grande Noce. Vous vous souvenez sans doute, il y a quelques mois, les Marchands Unis, qui célèbrent cette année leur 40e anniversaire, ont organisé le concours La Grande Noce dans le cadre de l'émission de Bonne Humeur. Un couple qui prévoyait se marier entre le 1er juin et le 3 septembre est éligible pour ce tirage. 500 000 de coupons sont arrivés à Télémétropole. Et le 1er juin, à la dernière de Bonne Humeur, le suspense était terminé, puisque les noms de Michel Voisine et Pierre Tremblay ont été tirés. Pour eux, le rêve a commencé. Nous sommes à La Rouche, un beau petit village de 1200 habitants à 30 km de Jonquière, dans ce beau Saguenay. Nous sommes le 17 août 1990, la veille de leur mariage. Ils sont un peu nerveux, c'est normal, mais venez avec moi, nous allons les rencontrer. Michel et Pierre, est-ce vrai que vous êtes nerveux la veille du mariage? C'est normal, non? Michel, appelle-moi Pierrot. Tout le monde m'appelle Pierrot. Tout le monde t'appelle Pierrot? Oui. Bon, ben, écoute donc. J'aime mieux ça. Pierrot, es-tu nerveux, Pierrot? Oui. Toi, Michel? Oui, un peu. Ben, c'est un peu normal. Ah oui, je pense que oui. Michel, Pierrot, nous sommes dans un endroit assez spécial. L'endroit appartient à l'abbé Yvan, qui va bénir votre union demain. Comment ça se fait que vous y retrouvez? Est-ce que c'est un ami de la famille? Oui. Ça fait très longtemps, depuis que j'ai 5 ans. Il est toujours chez moi, on a toujours été avec lui. On était ici souvent. Ici, c'est ton comme ton deuxième chez toi, quoi. Oui, à peu près. C'est un endroit de rêve, en fait. C'est magnifique. Toi, Pierrot, tu es né dans un rang près de La Rouche. Oui.
parce que Michel, elle, est vraiment de la Larouche. Oui. Est-ce que vous connaissez depuis que vous êtes jeune ou c'est arrivé il y a quelques mois ou quelques années? Comment c'est arrivé? Bon, on se connaît quand même depuis longtemps. À l'école, on se voyait. Est-ce que vous alliez à la même école? Pas tout le temps à la même école. Non? Non. Parce que dans le temps, je me souviens que les écoles étaient gars et filles. Oui, les deux. Oui, hein? Oui. C'est plus ça. Au secondaire plus qu'on secondaire. Était ensemble. Michel, dis-moi comment ça a commencé. Ben, comment ça a commencé? Lui, il sortait avec une de mes amies, ça fait que c'est moi qui le voulais, tu sais. Qui a fait le premier pas? Non, mais c'est Pierrot qui a fait le premier pas, par exemple. C'est vrai que ça a commencé par un bec dans le cou? Oui. Oh! Et ça a été le coup de foudre? Ben, disons, ça a l'air que oui. Ça a commencé il y a combien d'années, à peu près? Vous avez quoi? Vous avez 22 ans, vous êtes tout jeune. Oui. Ça fait quoi, 4 ans de ça? Ça fait 7 ans. 7 ans déjà? Moi, j'avais 16, 17. Mon Dieu, tu t'es décidé tard à la demander en mariage. Qui a demandé en mariage? C'est elle. C'est moi. C'est nouveau. C'est la mode cette année, à 90, c'est la femme qui demande. C'est ça. Mais Michel et Pierrot, j'aimerais montrer aux gens à la maison ce beau domaine de la Bible. Voulez-vous nous le montrer, s'il vous plaît? Michel, toi, t'es coiffeuse. Oui. Toi, t'es dans le dessin. Oui, dessinateur. Bon. Mais dans les moments libres, qu'est-ce que vous faites dans les moments libres? Comme sport, tu fais quoi, toi, Pierrot? Moi, je fais du vélo l'été, puis l'hiver, je fais du calme. Toi? La même chose. Non. Vous aimez faire du bicycle? Oui. Eh bien, les Marchands Unis vous offrent ces deux bicycles de montagne comme premier cadeau de mariage. Ils sont beaux! Mais... Hé! Hey! C'est l'enfer! Nous sommes rentrés à l'intérieur parce qu'il pleut. Il faut pas que tu t'en fasses, là. Soyez pas triste. C'est un porte-bonheur, ça, savais-tu ça? La veille de son mariage, de la pluie? Oui. Ma mère a toujours dit ça, je suis pas sûr, mon drôle. Ah, sûrement. Mais une chose qu'il faut que tu fasses, c'est d'accrocher ton chapelet sur la corde à linge. Ce soir. Oui. Voilà. Michel, quels sont les défauts de Pierrot? Il n'y en a pas. Tiens, regarde. C'est à elle que je pose la question. Regardes-tu? Tout le monde a des défauts. C'est de beaux défauts. Qu'est-ce que tu y trouves? Pourquoi tu l'aimes? Pourquoi je l'aime? Ouais. Pour ses défauts? Non, non, ses qualités. Parle-moi de ses qualités plutôt. Oh, il est tellement généreux, il est attentionné. Oui? Oui. C'est vrai qu'il a tendance à oublier? Oui. Alors? Oui, oui. Les petites commissions là, qu'on lui demande, là. Ça arrive. Est-ce qu'il traîne dans mes mains? Un peu. Oui, donc. pas toujours. Là, tu penses au cash, la veille. On va aller vice-versa. Pourquoi tu l'aimes? On va être aussi généreuse que moi, je pense. Elle est belle. Elle est belle. De beaux yeux, ce qu'elle a de beaux yeux. Compréhensive. Elle a-tu des petits défauts? Est-ce que tu passes cette année? Hein? Voulez-vous avoir des enfants? Oui. Combien, vous en voulez? La moyenne, 1,5. 1,5? Je vous souhaite bonne chance et vous faites un beau coup. Merci. Soyez très heureux. On fait un tour au café. Oui. Un heureux mariage. Un pantalon classique en gabardine et une blouse habillée. Vous en avez pour votre argent et plus. Vague, le prêt à coiffer. Un rendez-vous avec l'expérience. Et ce, sans rendez-vous. Aux Galeries du Cap, de l'esthétique jusqu'au bout des doigts. Les produits L'Oréal que nous vous réservons en exclusivité. Du lundi au samedi, venez faire coiffer vos plus vagues envies. Suivez-la. Je trouve que c'est un musée extraordinaire. J'ai jamais vu rien de semblable. Très beau, très beau. Je trouve que c'est impressionnant. Là. C'est gigantesque avec plein de choses. C'est immense. Je trouve que le musée est près de nous. On peut toucher, on peut s'approcher. En tout cas, moi, je trouve ça plus jeune comme musée. Je vais venir avec eux autres et je vais leur dire, il faut que tu vois ça absolument. Il n'y a rien d'autre chose de mieux.
heureux mariage. Un pantalon classique en gabardine et une blouse habillée. Chez Sears, vous en avez pour votre argent et plus. À midi 25, le lundi 17 septembre, attention, c'est chaud! Claude et Mario reçoivent Gina Travel. C'est que je chante plus. Ben, je le sais, mais c'est donc. Au bord de l'eau. Serge Mondor. Claudette Dion et ses plus belles chansons. Et vous présenterons également un épisode du déjà célèbre concours Attention, bébé à bord. C'est un rendez-vous le lundi 17 septembre dès midi 25. En progression constante depuis 40 ans, c'est aujourd'hui 1200 marchands actionnaires qui sont regroupés dans 5 secteurs d'activité. Cette force économique dont profitent les Québécois, c'est Marchands Unis. 40 ans de succès, ça se fait. SICO, RCR et CCM, faites avec nous. Midi 5, là. Dans 5 heures, c'est le grand moment. Un peu nerveuse. Ben, c'est normal, hein? Ah oui. As-tu dormi cette nuit? J'ai assez bien dormi, mais je suis réveillée très tôt. Ah oui? Oui. Pour parler avec maman un peu? Non, maman dormait encore. Ah oui? Pour regarder la température. Ah, c'est très important, mais le temps s'éclaircit, là. Okay. Je vais aller rencontrer ta mère, je te laisse avec Liette, tu te fais maquiller, je te revois plus tard. OK, à tout à l'heure. La bonne soupe aux gourganes. Ouais, je suis avec la grand-maman et la maman de Michel. On va parler avec la grand-maman, maman Thérèse. Vous perdez votre petit bébé, là? Ça. La dernière. Ça fait de la peine. Oui, ben c'est toujours de la peine. Oui. Parce qu'elle va s'installer loin de la Roche. Assez loin. Bécomo. Bécomo. Un peu loin, aller voir. Mais je pense qu'elle va venir vous voir souvent, elle me l'a dit. J'espère. Elle aime sa grand-maman. J'espère. Elle allait jouer du piano chez vous. Du piano, de la guitare. Oui. Pas de la guitare, excusez. La musique à bouffe et l'accordéon. Vous les gâtez, vos petits-enfants. Grand-maman gâte. Seulement ça. Ben oui. Des maman Thérèse, le papa est hospitalisé? Oui, malheureusement. Il va manquer les noces de sa fille. On espère que, si c'est possible, qu'il va sortir pour la soirée. Pour la réception. On l'espère. Oui. Est-ce qu'une maman parle à sa fille la nuit de son mariage? La nuit de son mariage. La nuit avant le mariage. Parce que tantôt, j'ai dit à Michel, est-ce que tu as bien dormi? Elle dit oui. J'ai dit, puis la maman, elle a dû aller bien dormir aussi. J'ai dormi aussi. Moi, je pensais que la mère et la fille, ça se parlait avant, la nuit avant. Non, on s'est parlé avant, là, mais pas. On n'a pas de. Alors, tout le monde a bien dormi, là. Personne n'est nerveux. En forme ce matin. Oui, ma belle. Oh, toi, j'ai affaire à toi. Tu vas aller voir ma tante Michel, voir comment son maquillage avance, puis tu vas mieux me le dire. OK? On va faire un tour sur marié grand-maman. Hein? Beaucoup de bonheur. Beaucoup de bonheur. René, dire que ça a commencé à ton mariage. Eh oui. C'est là que Michel a rencontré Pierrot. Oui. Et en dansant, je pense, si je me souviens bien, il lui a donné un bec dans le cou, puis c'est là que ça a été le... C'est ça, le grand amour. Le grand amour. Eh oui. C'est une bonne chose. Oui. Hein? Oui. Et lui, là, le seul gars avec 3 femmes. Ben oui. Et t'as-tu magané? Absolument pas. Je le sais. J'ai tout ça. C'est toi. Il paraît qu'il était un petit peu tough, non? Non? Bon, c'est quoi, ma belle-fille? Maman, Michel est super! Oui! Oh, belle! Elle va être belle, elle va être belle! Il paraît que Michel était très... un petit peu garçon, hein, quand t'étais fille. Ah oui, elle était un peu style tomboy. Il paraît qu'il a mangé des... Elle était forte, en plus. Elle était forte? Oui. Vrai dur. Cool. Ah oui, elle jouait dur, mais robuste, mais... c'était super. Comme Marie-Laurence dit, là, c'est vrai, elle est super. Mais toi, Sylvie, tu l'as... C'était un peu... c'était la plus vieille, hein? Oui, la première. Ça, ouais. Là, quand le bébé arrive, tu t'en es sûrement occupé plus que les autres, dans le fond. Sûrement. C'est normal. J'ai joué aux cartes avec. On est obligé de subir ces lunes. Elle venait dans la lune. C'est incroyable. Mais ta mère m'a dit qu'elle était un garçon manqué, c'est-tu vrai? C'est vrai, j'ai une preuve. Elle oui, montre-moi ça. Yeah. Un vrai gars manqué. Un petit tomboy. Wow! C'était belle!
Avoir sa maison, c'est bien agréable. Mais avoir l'esprit tranquille, c'est encore bien plus agréable. Car une petite étincelle et tout peut brûler. Et vous verrez alors votre investissement disparaître en fumée. C'est donc très important d'être bien assuré. Avec Wawanissa, qui assure les Québécois depuis plus de 50 ans, vous obtenez une protection à toute épreuve à un très bon prix. Pourquoi attendre? Consultez les pages jaunes et appelez le bureau Wawanissa près de chez vous. Wawanissa assure vos biens bien. Allez, les gars, moi, je trouve que des fois, là, on fait pas mal dur. Comment ça, on fait dur? Ben, on se fait en quatre pour se mettre en forme, pour être en santé. Ouais, pis? Puis, d'un autre côté, on mange n'importe quoi, puis on boit n'importe quoi. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire, par là? Ben, je veux dire qu'on fait dur. En tout cas, moi, j'aime mieux bien manger, puis boire du lait. Parce que le lait, c'est franchement meilleur. Le grand retour de l'émission la plus populaire. Non, t'es divin, il va s'embrasser des affaires à ces gens des bois. Imaginez-vous pas qu'on a fait la paix entre Wilfrid et moi. Oh non, my darling. Ah, mes paroissiens me donnent bien du souci. Sarpido jaune, ma femme gagnera pas à bâton. Tu peux toujours parler. Je saurais pas dire de qu'est-ce qui va arriver, mais... Calvin du Nord, ils diront ce qu'ils voudront. Mais pour savoir ce qui va arriver pour Drac, faut voir Entre chien et loup, lundi 19h. L'élégance, c'est l'art de bien choisir ses vêtements. C'est être sûr de soi. Avoir un style, se sentir belle. Un feeling que vous retrouvez à la boutique Hélène. Boutique Hélène, un choix irrésistible. Des conseils judicieux. Boutique Hélène, le style femme, maintenant plus que jamais. Boutique Hélène, Carrefour Trois-Rivières-Ouest, Place Saint-Eustache, Centre Rockland, Galerie Joliette et Centre commercial Les Rivières. En progression constante depuis 40 ans, c'est aujourd'hui 1200 marchands actionnaires qui sont regroupés dans 5 secteurs d'activité. Cette force économique dont profitent les Québécois, c'est Marchands Unis. 40 ans de succès, ça se fait. SICO, RCR et CCM, faites avec nous. C'est vrai que c'est la mariée. Deux jours qu'on passe ensemble, mes voeux de bonheur. Pierrot, mes voeux de bonheur. Merci. Mon Dieu, que vous êtes beau, vous êtes beau. Puis, comment ça se sent, là? C'est fait, là, hein? Oui. T'as dit oui? Oui. Ah oui, parce que tu serais pas là. Non. Moi non plus, là. J'ai une petite surprise pour toi. Ah oui? Oui. Est-ce que t'étais un peu nerveuse quand t'as laissé la voiture pour rentrer à l'église? Oui, un peu. Un peu? Beaucoup. Est-ce que tu aimerais ça voir ce que vous aviez l'air en rentrant à l'église? Bien sûr. Ben, regarde bien ça, ma chérie, on va vous montrer ça tout de suite. C'est émouvant, hein? Très c'est très émouvant. Oui. Ça vous a fait plaisir?
Oui. C'était beau, hein, mesdames, messieurs? Mais c'est drôle, Michel. J'ai pas vu M. Labbé, là. Il était là, pourtant. Hein? Comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien, Yvan? Oui, M. Labbé, Yvan. Parce que je l'appelle Yvan parce que ça fait deux jours qu'on est ensemble. Puis on est devenus là, des amis. Là. On a parlé de rénovation, on a tout fait. Mais là, on va parler de mariage. D'accord. Hein? Est-ce que ça vous a ému? Beaucoup, oui. De réunir tous les deux parce que vous les connaissez si bien. Oui. Eux autres, ils savent d'ailleurs que j'étais ému. Ils l'ont senti. C'est-tu vrai? Non. Je pourrais gager qu'ils étaient plus nerveux que vous autres. Ah, peut-être. Non, comment ça fait d'années que vous les connaissez? C'est des amis proches, à vous, ouais, ça. Oui, ça fait une quinzaine d'années, là, qu'on se connaît. Mais, M. Labbé, est-ce que ça vous arrive souvent de réunir un couple qui sont des amis proches? C'est peut-être émouvant, ça. C'est... Ça vous arrive souvent, ici, à La Rouche? Assez régulièrement. Dans le cas de couple, là, oui, assez souvent. Dans la famille de Michel, particulièrement, là. Il y en a plusieurs qui sont proches de moi, puis... Ça fait plusieurs fois que je revis l'expérience. Je suis toujours ému. Il y a des mariages où je tremblais plus qu'à marier. Je peux dire ça. Mais c'est un autre tremblé, ça. Ah oui. Êtes-vous parent? Pas du tout. Pas du tout. Il y en a des tremblés, hein? Au Saguenay, Lac-Saint-Jean, il y en a beaucoup. J'ai pas de parents du Mais tout. Mais si on remontait à notre grand-père, 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 l'arrière-arrière, là, on arriverait aux mêmes pierres, tu sais. Au même pierre. Mais ça doit être assez loin, tu sais. Au même pierre, là, tu te sens-tu touché? Plusieurs générations, là, tu sais. Comment tu te sens, Pierrot? Ça va bien. Heureux? Oui. Oui? T'as une belle femme, hein? Super. Oui, super. Mon Dieu, vous allez avoir de beaux enfants. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Ça, là, je commence juste à m'y habituer à ça. C'est l'enfer. Là, je dis, coudonc, qu'est-ce que ça veut dire ici, c'est l'enfer? Ça veut dire, c'est superbe, c'est merveilleux, c'est ça? Parce que les gens à la maison qui nous regardent vont dire, ça veut dire quoi, c'est l'enfer? Bon, ben, ça va être une soirée de surprise, Michel et Pierrot et tous les invités, parce que ça ne fait que commencer. Vous êtes jeunes, vous aimez la musique qui est d'aujourd'hui, hein? Vous êtes des jeunes dans le vent. Bien, j'ai un invité pour vous autres qui, elle, est très d'actualité. C'est vraiment la musique d'aujourd'hui. Sa chanson, c'est le gros succès en ce moment à la radio. Voici notre cadeau. Mesdames, messieurs, Martine Saint-Clair! Ah!
beau cadeau. Merci Martine. Merci beaucoup. Son grand succès, la rue à l'eau. Merci Monique Clément. Merci la Doris de Martine Zinger. Merci ma chérie. Ah! Robert, toi qui es habitué de jouer à des mariages, pour ouvrir le bal, c'est quoi tu joues d'habitude? Habituellement, c'est ou un slow ou une valse. Un slow ou une valse? Vraiment. Ceux qui ne sont pas capables de danser à la valse sont capables de danser le slow, généralement. On a un couple qui est moderne. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'elle voudrait avoir? Non. Une rumba. Es-tu sérieux? Comment, je suis sérieux? C'est pas des farces. Demande à Michel, elle veut danser une rumba avec son mari. Parfait. Qu'est-ce que tu veux? Il faut faire ce qu'il désire. Mais on va faire une condition. Michel, tu viens te lever. Pierrot, au bras de ton épouse, s'il vous plaît, ouvrir le bal avec une rumba. Et on aimerait que les invités après suivent la mariée et le marié. S'il vous plaît. On y va? 2, 3, 4. La chanson du bonheur, mon cœur chante. Et je sais que ton cœur, c'est pas beau, non? Le chante aussi. Souviens-toi, mon amour, de ce jour merveilleux de septembre. Pour que naisse un roman, simplement quelques mots ont suffi. La chanson du bonheur, lointaine et tendre, venez danser, mesdames, messieurs, de nos cœurs, qui nous redit que la vie a vraiment commencé par ce jour de septembre, où le vent tendrement fredonnait la chanson du bonheur. Voici enfin une collection exclusive pour votre plaisir et celui de votre enfant. Les contes passe-partout. Vous reconnaissez bien sûr Canel et Pruneau, ses personnages familiers et les magnifiques illustrations couleurs. Tout ça fait appel aux émotions de votre enfant. C'est une vraie joie de les voir s'émerveiller à chaque page. Maintenant, vous vous demandez comment stimuler l'imagination de votre enfant. Eh bien, ne cherchez plus. Les contes passe-partout vont satisfaire sa soif d'imaginaire. Les contes passe-partout. Enfin, des livres qui se lisent et se relisent, de semaine en semaine, d'âge en âge. Ils auront la cote d'amour de votre enfant. La vôtre aussi. Pour 14 jours d'examen gratuit, commandez vos deux premiers volumes. Seulement $5,95 chacun, plus frais de port et manutention. Vous recevrez en prime une magnifique figurine murale de Pruneau. D'autres figurines suivront au gré de la collection. Composez-me 1-800-268-1121. En entrant dans une quincaillerie Faire Plus, vous serez étonné par la variété des produits offerts, mais si bien conseillé que vous sortirez avec le bon produit au meilleur prix. Comme le salon Zip transparent pour $2,59 et 300 ml. Ce robinet de cuisine Moen pour $57,99. Ou l'ensemble de contre-fenêtres de porte-patio pour $4,89. Faire Plus quincaillerie, mon meilleur outil au meilleur prix. La plus grande maison du beefsteak et fruits de mer en ville célèbre avec vous sa fantaisie d'été. En super spécial, le beefsteak vous présente ses crevettes géantes cuites au four. Un régal pour les amoureux de la mer. Seulement $9,95 et les garnitures ne manquent pas à l'appel. Avec frites dorées, pommes de terre au four ou riz. Seulement $9,95 chez le beefsteak. À Trois-Rivières, 1350 boulevard des Récollets. Progression constante depuis 40 ans.
C'est aujourd'hui 1200 marchands actionnaires qui sont regroupés dans 5 secteurs d'activité. Cette force économique dont profitent les Québécois, c'est Marchands Unis. 40 ans de succès, ça se fait. SICO, RCR et CCM, faites avec nous. Lors du concours de la Grande Noce. Et grâce à cela, Télémétropole et Marchands Unis ont pu vous offrir un mariage de contes de fées. Dans ce cadeau est inclus la réception en ce moment ici au Royal Roussillon de Jonquière, les fleurs, les magnifiques vêtements que vous portez, mais aussi la belle maison Bonneville que je pense que vous avez déjà choisie et qui vont... vous allez avoir en septembre, je pense? Fin août, début septembre. Si on la montrait aux gens qui nous regardent, là, ce beau cadeau, la maison Bonneville que vous avez reçue. OK. Ce magasin est ici. Alors, encore une fois, félicitations. J'ai le plaisir de vous remettre les clés de votre nouvelle maison. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci beaucoup. Merci. Tel qu'entendu, on va vous livrer ça à Bécomo au mois de septembre. Alors, allons donc la visiter maintenant, la maison. C'est toi, la fenêtre? Ah oui? Tu semblais trembler un peu, il y a de quoi aussi, hein? Elle te plaît beaucoup, la maison? Beaucoup. Elle est à ton goût? Ah oui. Moi, je trouve, je trouve ça extraordinaire pour un jeune couple qui commence un ménage, qui commence une vie, une maison en partant, et tous ces cadeaux qui vont avec, je trouve ça extraordinaire. Ah oui. C'est joli, hein? On va aller vous la livrer en septembre. Ça veut-tu dire, Pierrot, que... est-ce que les fondations seraient faites en ce moment? Tout est prêt. Tout est prêt? On attend. T'attends à la maison? Oui. Mon Dieu. Tu vas avoir de quoi décorer, Michel. Avec beaucoup de plaisir. Avec beaucoup de plaisir. On voit la cuisine. Voilà. Là, on va vers les chambres, je pense. Il y a combien? Il y a deux chambres à coucher? Deux chambres à coucher. Voilà. Il faut avoir de la décoration à faire. Est-ce que tu es bonne là-dedans? Pas pire, hein, moi. Puis l'autre, il va bricoler? Ouais. Oui, il est bon là-dedans, il paraît, hein? Bon. Ben, beau cadeau, hein? C'est un beau cadeau. Il y a une chose... est-ce que vous avez beaucoup de terrain près de la maison? Compris. Oui? Oui. On va avoir de l'ouvrage à faire? Oui. Oui? Es-tu bon pour travailler sur le terrain? Ah oh, oui, très bon. On va t'aider un peu. Marchands Unis vont rajouter quelque chose à la maison. Regarde bien, mon cher. Un autre cadeau pour toi. Et j'espère que c'est toi qui vas le faire. Une tondeuse. Oh, right. Tiens! Besoin de ramasser le gazon, t'as vu? C'est une très moderne, mon cher. Mais que je vois pas ta femme couper le gazon si jamais un jour je vous surprends, hein? Je vais voir. Maintenant, j'ai des espions, Michel et Pierrot. Oui, on m'a dit que vous aviez un faible pour la danse sociale. Je t'ai vu danser tantôt. Je te voyais aller, là, ta rumba, un petit pas de cha-cha sur le côté. Est-ce que vous dansez beaucoup à Bécomo? Il va-tu souvent, oui? Mais écoute bien. Oui. J'ai une autre surprise pour toi, parce que dans les noces, la noce, le conte de fées, il faut qu'il y ait des surprises. Vu que tu aimes les danses sociales, et je suis sûr que les gens qui sont ici aussi aiment regarder les danses sociales à la télévision, je vais vous présenter deux couples de danseurs qui sont les champions de danse sociale ici au Canada. Nous allons accueillir Diane Mollet et Yves Pilon. Mesdames, messieurs. Et Lucie et Gilles Bettner. Alors, tout à l'heure, Robert a dit que pour ouvrir la danse, parfois, pour ouvrir une noce, c'est toujours la valse qui est demandée. Eh bien, on va leur demander de nous faire une grande valse. Place à la danse!
Avant le quatrième anniversaire chez Galerie JVM Sport, des réductions sur la marchandise 91. Elrand. Pour quel modèle pensez-vous? Les meubles Elrand, disponibles chez Meubles Saint-Laurent, à Gentilly. Alors, Michel et Pierre, j'espère que vous allez nous pardonner parce qu'on a été un peu curieux et je sais que les gens qui nous regardent à la maison le sont aussi autant que nous parce que on est allé, pendant que tu te faisais belle, coiffée, puis maquillée ce matin, là, on était chez toi, mais nous autres, on est allé fouiner vers la table de cadeaux. Ça te fait rien qu'on la monte à la maison? On monte les cadeaux à la maison? Non. Regarde, bien sûr. D'ailleurs, j'ai quelque chose à te demander que j'ai vu, là, qui m'a bien fait rire un peu parmi tes cadeaux. Ah oui? Oui, je vais t'en parler. On va regarder les cadeaux avant, là. Non, je vais t'expliquer ça. Tu as eu de beaux cadeaux. Ça, il faut que je te dise. Oui, là, on entend les murmures des gens, là. Puis des cadeaux utiles, en plus. Ah oui. Mais tu n'as pas eu deux toasters? Non. Il y en a. J'ai vu une moufette, là. Qu'est-ce qu'elle vient faire, là, la moufette? La moufette? Ben oui. Tiens, tu regardes une moufette? C'est quoi, le gag? Ça, c'est une de mes clientes qui me donnait ça. Puis elle m'a dit que... Elle a dit aux filles qui travaillent avec moi qui ont besoin de yogourt puban, là, pas assez date. C'est parce qu'on voulait te jouer un tour à Bécomo. Hein? Ah oui? Moi, je le sais, ça. C'est que les filles voulaient t'en mettre partout, mais ça n'a pas marché. Alors, à la place, tu as reçu une moufette. Ah oui, c'est ça. Mais il faut dire qu'elle n'est pas vraie, par exemple. Non. Hein? Bon. Non. Qui va magasiner à Bécomo? Qui va magasiner dans les deux? Vous deux ensemble ou c'est toi qui fais l'épicerie plus souvent? C'est moi qui en fais. C'est toi qui fais l'épicerie? Ouais. J'aime le ton que tu le dis. Bon. Mais tu vas magasiner de temps en temps. Oui. Tu vas aller magasiner pour ta maison. Oui. Bon, ben regarde bien. On a un cadeau là, que tu n'as pas vu parmi les cadeaux, mais on va le voir à l'écran. C'est que c'est un chèque de 250 $ pour que tu ailles magasiner, ma chère. Adieu. Regarde bien. Voilà, marchands unis, tiens. 250 $ Toi, t'as acheté quelque chose pour la maison. Bon, on a beaucoup parlé avec toi. Moi, je te connais bien, les gens te connaissent bien, mais on ne connaît pas ton mari, Michel. Si je m'adressais aux parents de Michel, monsieur et madame Tremblay, Monsieur Tremblay, vous allez bien? Oui. Il est comme son fils, il parle pas. Hein? Il parle pas, mais j'agis. Ah, il agit? J'ai agi. Ah oui? Il continue d'agir. Vous avez eu combien d'enfants, Mme Tremblay? J'en ai eu 9, j'en ai 8 vivants. 8 vivants? Oui. C'est pas le premier que vous mariez? C'est mon bébé, ça, que je marie, mais c'est pas le dernier que je marie, c'est le quatrième. Mais... Il est-tu toujours aussi calme? Il parle pas beaucoup? Il est-tu comme ça? Il était-tu comme ça quand il était petit? C'est un enfant sage, à part de toutes ces gags. Oui, justement, parlez-moi-en donc. Il paraît qu'il joue bien des tours, hein, des mauvais tours, surtout. Peut-être qu'il fait pas exprès, hein, comme par exemple, débosser ma voiture. Il a bossé votre voiture? Il a débossé. Il a débossé? C'est-à-dire, il l'a bossé. Il était déjà mécanicien. Il l'a débossé à l'envers. Comment alors? Moi, je comprends pas, là. Débosser une voiture à l'envers. Expliquez-moi ça un peu, là. Il avait vu beaucoup débosseler, mais seulement lui, il a fait ça à l'envers. C'est arrivé qu'il est venu me chercher, puis il a dit, viens voir, maman, je t'ai tout bien arrangé ta voiture. Je suis arrivé, il avait tout donné des coups de marteau partout, les spines étaient brûlées, toute la voiture bien arrangée. Madame Tremblay, vous appelez ça un enfant sage? Michel, est-ce que tu le connaissais comme ça? Oui. Méfie-toi. Hein? Mais je pense qu'il a changé un peu, hein? Ah oui. Bon. Il y a quelque chose d'assez important lors de la cérémonie de mariage, c'est les anneaux. Quand on remet les anneaux. Il paraît qu'il est arrivé quelque chose de cocasse à l'église. Pourquoi tu ris? Je l'ai pas vu, j'étais pas là. J'en ai entendu parler. Mais c'est très important, l'échange des anneaux. Et avec les gens qui nous regardent à la maison, j'aimerais qu'on revoie cet échange d'anneaux qui est tellement important entre deux personnes qui s'unissent pour la vie. Voilà les anneaux. Mets aux doigts de ton épouse cet anneau, signe du mariage. Michel, je te donne cette alliance en signe de notre mariage. Ha ha!
au doigt de ton mari, c'est à nous, signe de ton mariage. Pierrot, je te donne cette alliance en signe de notre mariage. Cet engagement que vous venez d'exprimer en paroles et en gestes, et que tous ensemble nous avons entendu, approuvé, et que Dieu lui-même a béni, aujourd'hui je l'authentifie, je le reconnais comme vrai, valide, solide, et je demande à Dieu que tout au long de votre vie, il reste pour vous le ciment de cet amour. Évidemment, un signe de l'amour, un signe de la communion des cœurs, c'est le baiser. On a bien hâte de vous voir vous embrasser, mais nous autres, la communauté, si on applaudit ces signes qu'on est d'accord avec votre engagement, c'est comme un vote de confiance. Alors, embrassez-vous et on va voter. C'est pas un gag, là, que tu jouais, là, hein? Non. C'était pas un mauvais tour, là, hein? Bon. J'ai parlé beaucoup avec vous autres, et je vous connais bien. Je sais que quand tu auras ta maison, Pierrot, t'aimes bricoler parce que tu bricoles beaucoup pour les autres. Oui. T'es dans le dessin, de toute façon, c'est ta spécialité. Et je sais que tu vas te faire un patio chez toi, hein? Un beau patio derrière la maison. Oui. Mais j'ai un cadeau pour toi, mon cher. Voilà, des Marchands Unis, la Cadillac des scies à onglets. C'est mon cher. Et amuse-toi bien avec ça. Pour un bricoleur, ça prend ça. La Cadillac des scies. J'ai ici une télécommande. Une cassette vidéo 8 mm sur laquelle vous avez toute la réception de votre mariage qu'on vous remet. Voilà. Maintenant, pour aller avec ça, ben, si un jour ça vous tente de filmer vos enfants, le mariage de vos enfants, Robert, voudrais-tu apporter ce cadeau, s'il vous plaît? Voilà. Ce magnifique ciné de Marc Sony. Alors, vous allez pouvoir prendre des films extraordinaires et même peut-être filmer, Pierrot, la naissance du premier. Ah, peut-être. Hein? C'est merveilleux. Bon, ben écoutez, moi aussi j'ai un cadeau pour vous autres, mais tout ce que je peux vous offrir en cadeau, c'est une chanson. C'est une chanson d'amour, et si vous écoutez bien les paroles, Michel et Pierrot, ben, vous allez danser premièrement, et j'aimerais que tout le monde danse avec vous autres. Dis-toi que c'est Pierre qui te chante ces paroles-là à l'oreille. Écoute bien les paroles, c'est assez spécial. Si vous voulez venir sur le plancher de danse, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, c'est mon cadeau pour Michel et Pierrot. Chaque jour, j'ouvre les yeux sur toi. Chaque nuit, viens les fermer sur toi. Tu souris et je suis le plus heureux. Un seul mot met des pleurs dans mes yeux. Chaque fois que tu as cru en moi, c'est bien que j'ai gagné pour toi. Mon amour me suffirait pour te donner un monde entier. Et ce monde sera fait pour toi. Et personne viendra que moi. Notre vie commencerait et tu vivrais dans ce monde à moi. Chaque jour, j'ouvre les yeux sur toi. Chaque nuit, viens les fermer sur toi. Un sourire, et je suis
le plus heureux. Loin de toi, je suis si malheureux. Chaque fois que tu as cru en moi, tu sais bien que j'ai gagné pour toi. Ton amour me suffirait pour te donner un monde entier. Et ce monde sera fait pour toi. Et personne n'y viendra que moi. Si jamais ma vie, oui, toute ma vie serait finie pour moi. Merci beaucoup. J'aimerais garder au milieu de la piste de danse Michel et Pierrot. Allez vous asseoir, mesdames, messieurs, parce que là, c'est un moment assez important. Viens ici, ma chérie. Pierrot, viens ici. Viens ici. Parce que... Non, viens ici. Reste là, là. Un mariage. Il y a quelque chose qui manque ici, ce soir. Regarde bien ce qui s'en vient. Ça a été préparé... Et c'est assez spécial, et j'aimerais remercier le personnel de l'hôtel Roussillon-Jonquière pour leur aide aussi précieux. Un gâteau de noces, mesdames, messieurs! Regarde comme il est beau! Merci. On va le placer comme ça. Voilà. Regardez-moi ce magnifique gâteau de noces. Pierrot, viens ici. Michel, viens ici. Il est beau, hein? Il est certain qu'il est vrai, il dit « il est vrai » à part de ça. Mais il y a quelque chose de spécial que je trouve bien bizarre. C'est que normalement, dans le haut d'un gâteau de noces, il y a toujours un couple de mariés. Ben oui, hein? As-tu vu qu'est-ce qu'il y a là? Un avion. C'est un avion Iberia. Sais-tu pourquoi? C'est que vous allez partir pour les îles Canaries. Sur les ailes de Iberia et de l'agence de voyage Jolivac de Montréal. Un prix de 2 500 $. Mais attendez! Attendez, ce n'est pas tout. En vacances, ça prend de l'argent pour dépenser. Télémétropole vous donne 500 $. Voilà! Prends le pierrot! Voilà! 500 $. Regarde, les îles Canaries, on les voit justement à l'écran. L'eau est turquoise. Allez vous détendre. Ça va être merveilleux. C'est... J'espère que tu es heureuse. Je comprends. Oui. Là, tu peux le dire, là. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Es-tu content, Pierrot? Très content. Vous pouvez le prendre quand vous voulez. Attends qu'il fasse 20 en bas de zéro. Oui, monsieur. Il dit oui, monsieur. Mesdames, messieurs, est-ce que vous trouvez que ce sont des beaux cadeaux? Inscrire les futurs mariés. Oui. C'était vraiment ta marraine. Ma tante. Ta tante. La marraine du concours. On va lui parler à Mme Vitaline Bouchard. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez envoyé combien de coupons? J'en avais 59. Sur 500 000, c'est pas pire? C'est bon, hein? C'est très bon. Est-ce que vous êtes contente du choix, là? C'est extraordinaire. Franchement, c'est extraordinaire. Tout ce qu'ils ont eu en plus, là, ben, c'est incroyable. C'est comme un conte de fées. Oui, c'est un rêve. Un rêve. Oui. Mais merci de les avoir inscrits. Ça me faisait plaisir, parce que je l'aime bien gros, Michel. Oui. Oui. Puis Pierrot, lui. Pierrot aussi. Mais ils nous ont promis le soir que ça allait être nous autres qui allaient coucher là la première fois. Pas à soir, hein? Non, non, dans la nouvelle maison. Merci, Mme Bouchard. Là, il faut que je parle aux deux bouquetières, hein? Marie-Laurence.
C'est une belle expérience. Oui. T'as aimé ça? Oui. Oui? Tu l'aimes, ma tante Michel, hein? Oui. Oui. Puis Pierrot, lui? Oui. Beaucoup? Oui, beaucoup. Beaucoup? Oui. Oui. Puis toi, Sarah, quel âge as-tu? 3 ans. 3 ans? Mais t'es plein de brillants, là. Où est-ce que t'as passé, donc? Hein? Je sais pas. Je sais pas. Dis-moi quelque chose. C'est-tu vrai que t'aimes ça, la tarte au bleuet? Oui. Oui. Tu l'as mangé après-midi, hein? Oui. Tu as donné un bec à qui, plein de bleuets dans le visage? C'est toi. Tu trouves ça drôle, hein? Oui. Oui. OK. Bien, on vous souhaite beaucoup de bonheur, Michel et Pierrot. Beaucoup de bonheur. Et est-ce que vous êtes heureux de ce qui vous arrive? Très heureux. Très heureux. Très heureux. C'est l'enfer. Mesdames, messieurs, on espère que dans un avenir rapproché, nous allons pouvoir aussi gâter un autre couple qui vont se marier parce que c'est un vrai conte de fées. Au nom de Télémétropole, Marchands Unis, bonsoir et bonne fin de soirée. Il a 12 ans et il est déterminé à entrer dans la marine américaine, mais il ne sait pas qu'il est trop jeune pour jouer les héros. Dans un moment, voyez, trop jeune pour jouer les héros, au réseau TVA. Procès historique. Dès lundi, le camionneur de Quaticook, Richard Bilodeau, affrontera la justice américaine. Le service de l'information du réseau TVA y sera pour vous présenter les faits marquants de cet événement. Au réseau TVA, c'est la vie en direct. Bonsoir, mesdames, messieurs. À Oka, le corps des ingénieurs de l'armée canadienne vient tout juste de faire exploser un colis suspect trouvé pendant les opérations de ratissage du territoire occupé anciennement par les Warriors. La détonation a été entendue à des milles à la ronde, ce qui a d'ailleurs causé un certain émoi. Et d'autre part, le grand patron de l'armée au Québec présent aujourd'hui à Oka a déclaré que le conflit avec les Warriors entrait dans une phase ultime et que cela expliquait les restrictions imposées aux journalistes. Une explosion a enflammé un pétrolier sur le lac Michigan, faisant 11 blessés et une personne est toujours portée disparue. Les autorités ne craignent pas pour l'instant de marée noire. Au Colorado, les pompiers de Denver ont finalement réussi un sauvetage spectaculaire. Un bambin de 20 mois a été sorti d'un trou où il a passé plus de 14 heures. Nous aurons beaucoup plus de détails au bulletin TVA de 23 heures. Bonne soirée, mesdames, messieurs. À plus tard. Franck, j'ai que toi, moi. Je vais rester seul. Non, tu resteras pas seul, tu auras peur. Apprends à devenir un homme et à te débrouiller. Alors laisse-moi m'engager, maman. Ils ont besoin d'hommes. Ils cherchent partout des volontaires. Toutes les radios font de la réclame. Mais tu as seulement 12 ans. Vous avez le culot de me dire que vous avez plus de 17 ans? Oui, monsieur. Date de naissance? 3 avril 1925. Girl, si je suis dans la marine, ça me donnera un chez-moi. Et ça, ça me donnera un but. Tu n'as pas...
Eh bien, voilà cette charmante jeune fille que tout le monde aime bien qui s'appelle... Caroline Vaillet. Caroline, tu as quel âge ? 10 ans. De quelle région vas-tu, toi ? Otigny. Otigny. Alors, Caroline, si j'ai bon souvenir, tu as été ce qu'on appelle une repêchée du 15 avril, c'est bien ça ? Alors, effectivement, vous savez que pour cette émission récapitulative du 15 avril, nous avons reçu, je vous le rappelle, 6623 appels téléphoniques et 18 240 cartes postales. Alors, c'est vous dire, un peu, c'est vous dire l'émulation qu'il y a eu. Et Caroline, eh bien, voilà, elle était là, elle était parmi celles-là. Elle a été repêchée dans la deuxième catégorie et je trouve que c'est un bon choix. Le téléspectateur a toujours un bon choix, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu nous joues ? La méditation de Thaïs de Massenet et la balade de Vieux Temps. La balade de Vieux Temps, quel beau programme, et la méditation de Thaïs de Massenet. Et ça va faire plaisir à une vieille dame de 94 ans qui m'a écrit cette semaine en disant que son grand bonheur, ce serait de réentendre la méditation de Thaïs. J'ai oublié le nom de cette dame, mais on lui dédie bien volontiers cette pièce avec Caroline Baillet. On t'accueille. Depuis qu'on a attaqué notre stratégie là, de réduire les moyens de communication, les gens nous parlent à l'intérieur, il y a beaucoup moins de distractions qu'il y en avait au début, et puis c'est bon signe présentement, on se parle. Entre-temps, sur le terrain même des opérations, le ravitaillement en nourriture a repris pour les Warriors, et on présume que c'est maintenant eux qui nourrissent les journalistes qui les accompagnent. L'armée a aussi consolidé sa position autour du périmètre de sécurité en terminant l'installation de ses 3 tours d'observation sur le retranchement. Quant à la manifestation d'appui aux Autochtones, elle n'a jamais vraiment décollé. Les manifestants sont demeurés confinés au carrefour de l'autoroute 640 et de la route 344 à quelques kilomètres d'Oka. Alors, on va tout de suite rejoindre Charles Faribault à Oka. Charles, on a parlé de phase finale, de phase critique dans les négociations. Est-ce qu'on a élaboré un petit peu qu'est-ce que ça signifie tout ça? Le brigadier général est demeuré assez discret. En fait, on peut élaborer 3 théories. La première, c'est qu'il a commis une erreur, ce que je doute. La deuxième, c'est qu'il a voulu faire pression, finalement, sur les Warriors. Et la troisième, c'est qu'effectivement, leur fameuse hotline est en train de porter fruit, que probablement, on est en voie de trouver une solution. Bon, alors j'imagine par votre réponse, Charles, que le brigadier en question n'a pas voulu élaborer sur cette question-là. Effectivement, il n'a pas voulu développer du tout là-dessus. Bon, maintenant, d'autre part, il y a eu un incident ce soir à 20h. Qu'est-ce qui s'est passé? On a entendu une très forte détonation et on s'est immédiatement informé auprès des services militaires pour savoir ce qui s'était passé. Il semble que le corps des ingénieurs ait ratissé ce fameux terrain, vous savez, qui se trouve un petit peu à l'écart ici. Et on aurait découvert une voiture qu'on n'avait pas notée. On a tenté d'ouvrir le coffre, c'était impossible, alors on a fait carrément sauter le coffre de façon à éviter qu'il y ait eu des explosifs à bord de cette voiture-là. Oui, il y a eu plus de peur que de mal, effectivement, finalement. Effectivement, oui, tout un émoi. Et il y a eu d'autres développements, Charles, en ce qui concerne les demandes de journalistes? Ben, sinon que les journalistes qui sont à l'intérieur du périmètre n'auront pas à sortir, c'était leur crainte, ils craignaient que s'ils sortaient, ils ne pourraient pas revenir. Alors finalement, les deux présidents pourront les rencontrer de l'autre côté des barbelés, ici sur la route 344, juste derrière moi. Et ça, ça pourrait se faire demain? Ça va se faire demain à partir de 10h. D'accord, Charles Faribault, et bonne nuit. Au revoir, Justine. Merci.
Et à Châteauguay, eh bien, comme on l'a dit tantôt, près de 200 manifestants sont descendus dans la rue pour rappeler au gouvernement que même si le pont Mercier est rouvert, eh bien, la crise n'est tout simplement pas terminée sur la rive sud. Et il y a plusieurs citoyens qui ont avoué ne pas se sentir en sécurité. De fait, encore la nuit dernière, 10 automobiles ont été endommagées quand elles ont traversé la réserve de Kanawaki. Personne n'a heureusement été blessé. Solidarité Châteauguay réclame la présence permanente de la Sûreté du Québec dans la municipalité. Oui à la Sûreté du Québec, mais non aux peacekeepers amérindiens. En tout cas, c'est le message qu'ont lancé les manifestants. Des citoyens d'Oka sont également venus appuyer les revendications des gens de Châteauguay. Solidarité Châteauguay a promis de leur rendre l'appareil si dimanche prochain, les Warriors n'ont pas déposé les armes. Autre sujet maintenant, la loi québécoise d'accès à l'information est en plein processus de révision. Et malgré cet effort, eh bien, il faut le dire, elle est mondialement reconnue comme un modèle. L'expérience acquise depuis son adoption en 1982 fait cependant ressortir à quel point l'informatique a fondamentalement changé les règles du jeu. Et cette semaine, le président de la Commission s'est dit inquiet de l'usage que fait le secteur privé de la masse d'informations que possède l'État sur les individus. Gisèle Galichon explique. La loi d'accès à l'information doit protéger deux droits qui peuvent facilement être antagonistes, le droit à l'information et le droit à la vie privée. D'où l'inconfort de vivre dans les souliers du président de la commission compétente en ce domaine. La ministre et l'opposition expriment leur tourment sur les problèmes de couplage qui se font dans les fichiers, ainsi que sur tous les commentaires émis depuis 8 ans. Mais lui, le président, a la réalité quotidienne sur les épaules et le verbe éloquent pour la décrire. Dans la loi d'accès actuellement, on n'a pas à se poser de questions. Pourquoi que le demandeur va avoir accès à tel document, il donne? Il s'inquiète énormément de l'usage que fait le secteur privé de toutes les informations colligées dans des fichiers informatiques sur les simples citoyens. Moi, je ne suis pas certain que si j'ai donné des informations à ma municipalité pour faire mon rôle d'évaluation, si j'en ai donné à l'inspecteur général des institutions financières, pour prendre cet exemple-là, parce que je suis administrateur d'une compagnie, je ne suis pas certain que je vais retrouver tous ces renseignements-là, moi, pour d'autres fins que celles pour lesquelles je les ai donnés. Alors, il dit aux ministres et députés de prendre le temps d'étudier à fond cette fort délicate situation. Les compagnies ont droit d'accès à l'information, mais il faudra désormais analyser l'intention du demandeur. Cette propension que tout le monde a ramassé des renseignements sur tout le monde fait qu'on se réveille avec des fichiers, par exemple, qui sont colossales à certains organismes gouvernementaux, où il y en a, je comprends, des compagnies qui paieraient probablement des fortunes pour avoir le fichier de la RAMQ ou de la RAC ou des choses comme ça. La ministre a eu là-dessus une oreille attentive et positive. Ici Gisèle Galichon, à Québec. Et après la pause, une histoire de chasse et de pêche, l'une qui commence et l'autre qui se termine. À tout de suite.
cargaison. Le navire avait à son bord environ 4 millions de litres de brut. Par contre, une quantité minime s'est échappée dans les eaux et on ne craint pas pour l'instant de marée noire. Et ce soir, l'incendie n'avait toujours pas été maîtrisé. C'était la fermeture de la pêche et l'ouverture de la chasse cette fin de semaine. Et Serge Ferrand s'est donc retrouvé dans le Nord à la croisée des chemins, où il a rencontré une Dominique Michel en pêcheuse, loin bien sûr de son juste pour rire. La mi-septembre au Québec, c'est le festival des couleurs. Alors pour le jaune, le rouge ou l'oranger, une seule direction, le Nord. Merci Serge, on quitte l'aéroport de Mascouche ici, à une altitude de 6500 pieds, 120 000 au nord-ouest, on arrive au Club Lounen. Et on est prêt. On est prêt à partir. On y va. Destination Le Lounen, 130 km au nord de Sainte-Agathe, soit 4 heures en voiture ou 1 heure en avion, un choix évident. On décida donc d'utiliser les services de Serge Martin, notre pilote. Un plafond bas, des feuilles rougissant devant l'hiver. Bref, c'était bien l'automne. Fin de saison pour les pêcheurs, derniers instants de quiétude tout estival. Et le lac est assez populaire, adoré. Puis on a attrapé des belles truites. La truite est grosse. Ben, la mouchetée, là, ça, c'est des grandes truites qu'on attrape assez souvent. Une quiétude interrompue par les bangs des premiers fusils, des premiers chasseurs, par l'ouverture de la chasse. Oui. Pour l'ouverture, c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est? C'est de la perdrix. Enfin, il y a 4 tétras et une gélinotte. À cheval sur 2 saisons, chair et poisson, ça n'a pas empêché certains de parler gastronomie avec un grand G. Je viens de la région lyonnaise, un petit village qui s'appelle Les Échets. C'est à 15 km de Lyon. C'est un village qui a un petit point commun avec cette région. C'est dans le temps, il y avait beaucoup de chasse, il y avait beaucoup d'étangs, il y avait beaucoup de canards. Maintenant, il n'y a plus rien. Alors, on leur prépare un petit saumon mariné au citron vert avec un peu de ciboulette et puis un peu de saumon fumé. Cet été, j'ai travaillé beaucoup. J'ai fait le festival juste pour rire, mais habituellement, j'aime beaucoup aller pêcher la truite. Et la chasse, t'es une chasseuse? Pas du tout. Température d'automne, il pleut, je m'étais attablé pour manger du poisson, donc des filets de truites saumonées, il y a même des filets de dorés, enfin il y a un peu de tout. Malheureusement, la pêche s'est terminée aujourd'hui. Maintenant, la chasse du petit gibier en attendant le gros. Chasseurs, à vos fusils. Et température d'automne, ça c'est bien vrai. D'ailleurs, si vous allez chasser, habillez-vous très chaudement. Si vous restez dans les villes, habillez-vous quand même chaudement. On vous en reparle un peu plus après la pause. À tout de suite. Qu'est-ce que c'est que cette... Est-ce que vous avez un droit de propriété sur les choses et les gens, vous? Bon, moi, on vous dit... Il est encore mon idole. Ah, oh, oui! Ça, ça se dit pas jamais. Hey. Non, c'est vrai. En voulez-vous à cet homme-là? Je peux pas dire que j'y en veux, non. C'est pas ce qui a fait avancer la cause des femmes. Est-ce que c'est pas ça, la grande sentence, en fait? Oui. Je veux juste être bien, être heureuse, vivre des moments avec mes petits, avec ma famille, parce que mes enfants sont majeurs. L'heure juste, mercredi 19h. Tous les vendredis, le restaurant L'Orange et l'équipe des ventes de Chem Télévite ont pris la bonne habitude de prendre leur pause café en compagnie des commerçants et travailleurs de la région. Cette semaine, ils ont rencontré les dirigeants et employés des entreprises AM situées au 250 route 153 à Saint-Tite. Vous construisez ou rénovez, ils sont les experts dans la fabrication de portes, portes patio, portes d'acier, portes de garage et fenêtres de tout genre. Toute l'équipe des entreprises AM vous invite à venir les rencontrer. La pause café L'Orange, moi j'aime ça. Plusieurs raisons pour ne pas déjeuner. On a le choix ou de déjeuner ou de ne pas déjeuner. Il y a des gens qui disent « j'ai pas le temps ». Oui, c'est toujours la bonne raison. C'est toujours la bonne raison. « J'ai pas faim ». Et il y a également des gens qui disent « je vais maigrir ». Étant donné, je vais sauter un repas, je vais sauter des calories, donc je vais maigrir. C'est vrai, ça? Non, c'est faux. Il faut faire attention parce qu'il a été prouvé. D'abord, le déjeuner, on dit que c'est important parce que le système, ça fait 8 à 12 heures qu'on n'a pas mangé. C'est vrai. Donc, notre glycémie, là, le taux de sucre dans le sang, est à son plus bas niveau le matin. C'est comme si le cerveau, là, il manque quelque chose, il lui manque de carburant pour fonctionner. C'est le sucre qu'on a besoin. Donc, le déjeuner est très important.
Et pour maigrir, tu me parlais de ça. Pourquoi maigrir? Est-ce que c'est vrai que si on saute un repas, on va maigrir? Il a été prouvé que si on mange 2 repas par jour, le dîner et le soir, on va avoir tendance à emmagasiner les calories, à les stocker pour se protéger. C'est comme si le corps réagissait. Plus que si tu mangeais un déjeuner et un souper. Et un dîner et plusieurs petits repas par jour. Donc, les gens qui mangent juste 2 fois, au dîner et au souper, peut-être c'est votre cas parce que vous voulez sauver des calories, vous vous trompez parce que le corps réagit de l'autre façon. Il emmagasine, donc vous engraissez pour se protéger. Contrairement aux gens qui prennent plusieurs petits repas dans la même journée, toujours avec le même nombre de calories, mais tu sais, des fois, on se dit, si on grignote, on va engraisser. Mais ça, semble-t-il que c'est le contraire. Puis toi, c'est un petit peu ta tendance. Je grignote. Tu grignotes souvent. Tu manges pas beaucoup, mais tu grignotes souvent. Puis j'avais toujours l'impression que c'était pas bon. Mais dans le fond, ça peut être bon aussi. Ça dépend ça toujours de ce que tu manges. Ça être mieux comme ça. On a porté des exemples de déjeuner, hein, parce que c'est pas toujours très compliqué. On s'imagine que parce qu'on n'a pas déjeuné, on n'a pas mangé des œufs, des biscuits, du jambon, du bacon, de la saucisse, notre demi-pamplemousse, notre verre de jus d'orange, qu'on n'a pas déjeuné. Il y en a qui disent « j'aime rien le matin ». J'ai pas faim. Oui. Bon, alors... On a un choix? Faire, on a un choix. Par exemple, ici, on a un déjeuner complet, mis à part le verre. On a un bol de céréales qui comprend céréales, lait et bananes, des tranches de bananes. Alors, le tour est joué. On a déjeuné complet parce qu'on a besoin seulement de 3 groupes sur 4 le matin pour que ça soit complet. Ici, les gens qui sont très pressés le matin, un œuf, du lait et un jus d'orange, par exemple, ça fait 3 groupes. Alors, tu peux battre un petit peu ce que tu as à t'apporter dans le fond. Un œuf, du lait ou des bananes, un œuf, du lait, des fraises. Avec un yogourt ou... Remplacer le lait par un yogourt, ça nous fait... Un jus qu'on peut boire en se brossant les cheveux, en se maquillant, un petit peu sur le coin de la table, autour de bonne idée. Déjeuner. Ici, une tranche de pain avec du beurre d'arachide, un verre de lait. Encore 3 groupes sur 4, parce qu'on a notre pain, pour le pain céréal. La viande, c'est le beurre d'arachide et produits laitiers. La protéine. Le lait. C'est ça. Ici, un bol de griot pour les céréales. Oui. Le pamplemousse pour les fruits. Et un morceau de fromage. Ça aussi, Marie, c'est une bonne idée de penser. Oui. On a nos 3 groupes. Et également, ce déjeuner-là, seulement, c'est vraiment quand on est pressé. Le matin, on prend notre muffin. On s'est fait des muffins chez soi, ou bien on en achète, on mange notre muffin. Oui. On arrive au bureau, on se prend un yogourt. On en vend partout maintenant des yogourts. Donc, on a nos produits laitiers au bureau. Et un peu plus tard dans la matinée, on a notre jus de pomme. Donc, ça correspond un petit peu à la théorie qui dit qu'on devrait peut-être manger en fractions. Un petit peu plus souvent, puis moins à la fois. À la fois. Donc, on a également prouvé que les jeunes qui ne déjeunaient pas le matin avaient tendance à avoir mal à la tête, avoir bâiller, être fatigués, sont moins capables de se concentrer. Et il a été prouvé qu'il y avait des moins bons résultats scolaires quand on ne déjeune pas. Au travail aussi, j'ai l'impression qu'on donne un moins bon rendement si on n'a pas déjeuné parce qu'on a l'estomac trop cru. On pense rien qu'à ça. Mais toi, moi, tu déjeunes tout le temps. Moi, le déjeuner, c'est très important. Et dehors, l'été, quand bien même je me lèverais à 5 heures du matin, pour moi, c'est très important de manger dehors. Est-ce que tu as compris un petit peu? J'ai très bien compris. À part ça, j'ai compris, Marie, que la présentation, il faisait aussi un peu. Si on se donnait la peine de temps en temps, avec une petite rôtie, d'avoir une fraise ou d'avoir quelque chose qu'on aime, moi, je trouve que c'est ce qui est le plus important pour faire passer nos principes. Puis les enfants, c'est la même chose aussi, hein? Si tu leur donnes un petit peu quelque chose, un petit son à côté de quelque chose qu'ils aiment un petit peu moins, bien peut-être que ça va passer mieux. Fait que la présentation est importante. La présentation, bien sûr, les fins de semaine, on a le temps de servir un beau napperon, la fleur, tout ça. Mais quand c'est la semaine, essayez de sortir le grille-pain ou peut-être son bol de céréales la veille pour y penser. Oui. Alors, à demain? À demain. À demain. 2 choses demain. On n'oublie pas son déjeuner et on n'oublie pas l'émission, notre rendez-vous. Bye-bye tout le monde. Bye. Bye, Marie. Bye, Marie. Un deux. Mais c'est pas pire. 148 400 grands.
Merci beaucoup à tout le monde encore une fois. On s'approche du 150 000, deux heures déjà. Cinq heures de fait. C'est le cabaret qui s'en vient dans quelques secondes. Oui, monsieur. Les myoblastes, les transplantations, c'est incroyable ce que ça peut faire. Et on sait que ça veut dire que pour les générations futures, et les jeunes également, les tout jeunes, il y a de l'espoir. Et ils auront peut-être une vie plus autonome. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est pas pour rien qu'on a notre Téléthon du Québec à nous. Il y a le fait aussi que les recherches, il y a le Dr Tremblay dans le bout de Québec, il y a le Dr Carpathy dans le bout de Montréal, ces recherches-là et ces succès-là, ils viennent d'ici. Jerry Lewis même va vous l'admettre que ça vient de nous. Et c'est ça qui est intéressant lorsqu'on regarde la littérature médicale et qu'on voit que ça vient de chez nous. C'est donc il y a de l'avancement et que nos sous, ben ils profitent. Ils profitent à de jeunes enfants et à des adultes qui sont atteints, qui regardent ça avec un sourire parce qu'ils savent que peut-être les générations qui en seront atteintes, ben ça s'en va s'amenuisant. La science est fière de nous. Il faut que le Québec soit fier du Québec. Au numéro suivant, 339-5811. Encouragez-nous, on est là pour ça. Et maintenant, de retour au Théâtre de Denise Pelletier. Eh bien, c'est maintenant le moment du cabaret, Lise. Le moment que j'attendais. C'est le fun, hein? Te souviens-tu l'an passé comme les gens ont énormément bien répondu au volet du cabaret? C'est parce que c'est spécial du cabaret à la télévision, hein? Il faut sortir pour voir du cabaret. Il y en a qui sont pas trop sorteux, mais ici, on l'a chez nous, dans notre salon, ici. Au Québec et même à Montréal, je pense que pour les gens, c'est une occasion de se retremper dans l'ambiance du cabaret. On a des numéros très spéciaux ce soir qu'on vous a préparés, des surprises, des gens que vous n'avez pas vus depuis des années. Vous allez avoir plein de choses, vous allez en avoir de toutes les couleurs et pour tous les goûts. Et même que vous allez en avoir plus que l'an dernier, parce que ça a tellement été aimé, ben oui, comme ça a été tellement le fun. On a rallongé le cabaret, alors on est installé à notre piano à queue. On est là pour 4 heures. Mesdames, messieurs, pour 4 heures, collés un à côté de l'autre. Et si tu veux, on va débuter tout de suite à tout seigneur, tout honneur, et puisqu'il a marqué les nuits de Montréal, il a aussi marqué l'époque du cabaret. C'est avec lui qu'on a décidé d'inaugurer officiellement notre bloc cabaret, sans plus attendre. Avec qui vous pensez? Avec qui? Ils l'ont, hein? Ils l'ont, hein? Alors? Alors voici Michel Louvain, cabaret! J'ai le cœur qui bat, moi je me sens bien, dès qu'il y a de la musique, tu ne sais pas comme j'ai besoin de ça. Ici tout est beau, j'ai la sensation de mordre dans la vie. La vie, c'est le cabaret, en somme, viens vivre au cabaret. J'ai le cœur qui bat, moi je me sens bien, dès qu'il y a de la musique, tu ne sais pas comme j'ai besoin de ça. Et si tout est beau, j'ai la sensation de mordre dans la vie. La vie, c'est le cabaret, en somme. La vie, c'est le cabaret, tout comme moi j'aime le cabaret. Nos danseuses, mesdames, messieurs, du cabaret. Formidable. Ah, que de souvenirs, que de souvenirs. Salut, Roger.
Allô, Michel. Allô, Michel. Bien. Alors, je comprends pourquoi tu as mis cette robe-là, là. Évidemment. Oui, l'époque du cabaret pendant 4 heures de temps. Mon rêve, faire du cabaret. Ton rêve, j'en ai fait pendant 25 ans, moi. Ah ben, c'est pas pire. T'en es bien sorti. Ben, je pense que c'est la bonne école, Roger. C'est là que ça commence, hein? C'est la bonne école pour un artiste. Toi, ça avait commencé où? Chez Gérard, hein? Oh non! Non? Non. Ça commençait à l'hôtel central de Chaumédée. Ah, ça a commencé à Montréal. C'est la discothèque Elle et Lui. Et à l'hôtel central, c'est là que j'ai rencontré Yvan Dufresne, qui est devenu mon gérant personnel, mon directeur de disque, et ça a commencé. Si tu veux, on va aller chez Sears, puis après ça, on va en reparler un petit peu de tout on ça. On va nommer des cabarets aussi. On va nommer tout ça. C'est belle époque. C'est merveilleux. Marc Denis, il ne se souvient pas de ça, lui, l'époque des cabarets. Il était trop jeune. Oui. Je me souviens de Thetford Mines, par exemple, en 1955, et une certaine quincaillerie, je pense, hein, Michel? De toute façon, on aura... J'étais décorateur dans ce temps-là. Oui, on t'avait donné un trophée, même, si tu te souviens. Oui, j'avais fait la plus belle vitrine de chasse et pêche pour l'automne. On m'avait donné un trophée. Est-ce que tu chasses? Ben, je ne chasse pas, mais je faisais des vitrines. Mais je chantais dans ce temps-là, Marc. C'est que tu chantais en faisant tes vitrines, et puis ma mère m'amenait à visiter mon père qui travaillait à côté. Écoute, et puis j'envoyais toujours la main, puis tu nous envoyais la main. Puis je pense que récemment, à ton émission, au courant de l'année, j'ai eu le plaisir de te surprendre avec ce fameux trophée. De toute façon, tout ça pour dire que c'est un téléthon où règne la bonne humeur, la joie et la variété. Les téléthons qui offrent du cabaret, du country, toutes sortes de choses. Mais ce qu'il nous faut, par exemple, c'est des dons. C'est faut des pas dons. Oublier la raison pour laquelle nous sommes ici. C'est bien beau d'avoir un show. Regardez nos bénévoles en arrière, là. Ce qui m'a vraiment surpris, Marc, c'est d'apprendre qu'il y avait au-delà de 8000 bénévoles qui travaillaient pour l'Association de la dystrophie musculaire. 8000 personnes. Et l'Association de la dystrophie musculaire, grâce à vos dons, peut supporter 5 organisations locales, 5 sections locales. Et dans ces sections locales-là, j'ai appris mes leçons. Bon, ça regroupe les clients, ça regroupe les familles et les amis. Et puis non seulement on leur offre des services, mais également des occasions de se rencontrer dans une grande camaraderie. Ça devient presque un club social, tu sais, on se soutient. Et ça, je pense que c'est essentiel que l'association fournisse cette aide-là. C'est essentiel parce que souvent les gens pensent, bon, ben écoute, on va donner pour la recherche, on est content que ça reste au Québec. On va donner pour les équipements. Mais après ça, y a-tu d'autres choses? Je comprends qu'il y a d'autres choses. Par exemple, une simple vacance. Ouais. Imaginez une personne atteinte de dystrophie musculaire. Ce n'est pas seulement cette personne-là qui souffre, c'est toute la famille qui souffre. Imaginez-vous, lorsqu'on doit s'occuper de quelqu'un qui est atteint ou atteinte à l'année longue, ça ne fait pas plaisir. Vous pensez-vous un petit 2 semaines où on peut envoyer cette personne dans un camp qui est tout à fait équipé pour recevoir des gens de son âge? Pour un 2 semaines qui fait tellement plaisir à cette personne-là et à la famille, ouais, qui peut soudainement aller au restaurant, qui peut soudainement aller... On va voir un film. On est libre pour 2 semaines. Il y a certaines sommes de dollars qui vont vers cette initiative. Et la personne qui a la chance également de s'évader un petit peu, parce qu'elle retrouve des gens comme elle, elle fait des rencontres, elle a des loisirs qui sont différents de ce qu'elle a en famille. Ça aussi, on a tous besoin de s'échapper à un moment donné, peu importe la situation. Et c'est un service incroyable que l'on offre, entre autres. Et on a tous besoin d'amis. Ouais. Moi, c'est mon 10e téléthon, je me suis fait beaucoup d'amis qui sont atteints de dystrophie musculaire. Là. Et ces gens sont... Mais tu t'es fait beaucoup d'amis également parmi les bénévoles. Et parmi les bénévoles aussi. Parmi les bénévoles. Ben, c'est ma gang depuis un bout de temps ici, puis on a beaucoup de plaisir ensemble. Mais je vous dis que le plaisir cesse lorsque les téléphones ne sonnent pas. Table de chevet, il y a un appareil de téléphone, là. Tout ce qu'ils auraient à faire, c'est... Tentez, là. Bon, 3, 9, 5, ben oui, 1. Attention à ce que vous tentez. Téléphone. Attention à ce que vous tentez. Attention. Alors, tout ce que je voulais dire, c'est simplement un petit 2. Un 5. C'est pas grand-chose qu'on vous demande. Mais si tout le monde le fait... 3, 3, 9, 5, 8. Pas pire. Elle fait ses devoirs. Il y a un test après le téléthon. On va voir si elle passe. Écoutez, un petit 2, un petit 5. Faites le don. Pour nous, hein, au 3, 3, 9, 5, 8, 5, 1. Et pendant que vous le faites, retournons 5, 8, voir un petit peu de cabaret au théâtre Denise Pelletier. Oui, monsieur.
J'ai fait un petit peu de... J'ai fouillé un petit peu dans, mes souvenirs, Michel. Le Faisan Bleu. Faisan Bleu à Laval. Le Blue Sky, le Mocambo, la Casa Loma, le Café du Nord. La Casablanca. Café de l'Est. L'Hôtel Central, le Château Sainte-Rose. Oh mon Dieu. Je peux te dire le Château de Bloel, l'Hôtel Saint-Maurice à Trois-Rivières, Québec, chez Gérard, la Porte-Saint-Jean, le Coronet, la Page Blanche, chez Émile. Le Chapon Fin, le Belle Humeur, le Café Minuit. On va revivre tout ça ce soir? En grande partie. Moi, je vais en apprendre, en tout cas. Les gens qu'on va retrouver, en tout cas, ce soir, ont, en quelque part, au fil des années, été là-bas. Les gens à la maison vont se retrouver, mais est-ce qu'il y en a ici qui ont vécu l'époque du cabaret? Oui! Est-ce qu'il y en a qui ne l'ont pas vécu? Oui! On va vous montrer qu'est-ce que c'est que le cabaret. Alors, on débute avec une chanteuse qui a beaucoup... La bonne école. Qui a marqué les piano-bars, surtout, elle a fait aussi plusieurs revues dans les cabarets. Elle nous présente ce soir une chanson qui a été popularisée par Ginette Renault. Voici L'Argent avec Frédéric Fournier. Wouh! Allez, mesdames, messieurs! Il y a une chose que j'aimerais dire. Bon, je vais me reprendre, là, des petites erreurs, ça arrive au cabaret. J'aimerais qu'on les encourage, ces artistes, qu'on les applaudisse fort. On ne les voit pas à la télévision, vous ne les connaissez peut-être pas du tout, parce qu'il y en a qui vont jamais au cabaret.
Alors, on va les encourager parce qu'il y a du talent dans les cabarets. Il y a du talent parmi les artistes de cabaret, Roger. Énorme. T'as vu cette fille, comment est-ce qu'elle est arrivée? Bang! Ça, suite, ça explose. Puis je suis sûr qu'elle vient de faire deux spectacles. Tout à l'heure, il y a un artiste qui va venir chanter. Elle a trois spectacles dans le corps. Elle dit, j'arrive de Victoriaville où j'ai fait trois spectacles. Il y a du talent ici dans les cabarets, mais on les voit pas à la télévision, sont pas connus. Alors, je vais vous demander, quand on va vous les présenter, là, de leur faire une bonne main chaleureuse comme ça, ben, ces artistes-là oui, qui ont travaillé fort aujourd'hui. Tu sais. C'est très frustrant, des fois, pour des artistes de cabaret, ben, de réaliser qu'ils sont mis de côté. Ils sont pas mis de côté. C'est qu'il y en a qui ont... C'est pas facile de percer comme c'était il y a 20 ans. Tu sais. Mais je pense que, Michel, si tu veux l'avouer, puis là, c'est pas pour te flatter, là, c'est que c'est vrai, t'es un des rares gars qui a donné des chances à des artistes de cabaret. Tu le fais à travers les télétons, tu le fais aussi à de bonne humeur. Et oui. Je sais que tu participes aussi à la recherche avec Claire. Vous montez des thèmes et combien de fois par année vous faites des spéciales cabarets. Et c'est ce qui permet finalement à ces artistes-là de pouvoir... Se produire, que les gens puissent les découvrir, les entendre. Il y a du talent qui dort, c'est incroyable. Moi, je vais vous poser une question. Moi, je connais pas beaucoup ça, l'époque des cabarets, là. Je suis bien plus jeune. Ce que je me demande, tu parlais de la fille de Victoriaville, là. Elle revient après avoir fait trois spectacles. Où est-ce que ces gens-là prennent l'énergie? Parce que c'est évident, faire juste une chanson comme c'est ça... C'est qu'ils ont le feu sacré. C'est ça. Ils ont le feu sacré à l'intérieur. Et même s'ils sont très fatigués, lorsqu'ils entendent la musique, lorsqu'ils arrivent sur scène, ça se déclenche. Comme l'artiste qu'on va présenter maintenant, qui est né en France, bien sûr, mais qui est arrivé, je pense, au Québec depuis au moins 35 ans. Il était d'ailleurs dans les revues de Miss Tinguette, qui a été la grande dame du musical en France. Et c'est d'ailleurs au cours d'un voyage avec Miss Tinguette qu'il a décidé de s'installer ici, qu'il a adopté notre pays, qu'on l'a adopté aussi. Il est le premier personnificateur au Québec. Et je pense que si on devait donner un titre de roi ou de reine... On dit-tu la reine du musical? On a eu Muriel Millard qui a été la reine du musical. Mais maintenant, Muriel s'est retirée et il y a un gars qui est toujours là, qui est à la fois reine et roi. Mesdames et messieurs, Gilda! Quand on se retrouve devant le public, quand on se retrouve dans le rond magique, le projecteur nous suit sur la scène et l'on sent son cœur qui se démène. Le feu des planches, ça ne se perd pas. J'étais en manque et me voilà. Ça fait combien de temps déjà? Surtout ne me dites pas, l'essentiel pour moi c'est qu'on soit tous là. Quand sur les planches, le cœur en feu, on se retrempe, c'est merveilleux. Avec les copains de toute une vie, couplés et refrains, virés fantaisie. L'enfant de la balle vous dit bonsoir, il se régale de vous revoir. Oui, que l'on soit de l'ancienne ou de la nouvelle école, moi j'ai toujours aimé le musical. Pour un six de part.
Il y a tellement de gens qui sont généreux pour la société. T'es en forme, jeune homme? Bravo, bravo. Alors, on se demandait tout à l'heure, est-ce qu'on doit dire le roi ou la reine? La reine. La reine. Ça ferait un roi un peu efféminé. Jean, je pense que finalement, Gilda est ce qui a donné le coup d'envoi au personnificateur au Québec. Définitivement. C'est toi qui as amené ça. Mm-hmm. Et par la suite, ben, y a des gens qui ont continué à suivre tes traces. On m'entend pas. Micro. Ça va. On s'en court. T'es pas le seul. Même moi, une je m'entends pas. Une nouvelle chanson. Là. Alors, on disait que c'est finalement toi qui as donné le coup d'envoi au personnificateur au Québec, mais depuis, t'as été imité, je ne dirais pas égalé, je dirais imité. Puisque maintenant, il y en a plusieurs qui présentent des spectacles et c'est devenu de plus en plus populaire. De plus en plus populaire. Le public a toujours un engouement extraordinaire pour le travesti. Regarde, tu vas au Japon. Quand il est bien fait. Au Japon, il y a des théâtres nationaux où...
Partout, à San Francisco. On a beaucoup de mal à rentrer. San Francisco, New York. C'est comme la comédie française, des choses comme ça, ça demande beaucoup. Et tu as d'autres pays orientaux où tous les ans, toute l'armée au complet s'habille en femme. Ils font une parade. Donc, on n'a rien inventé. Hein. On n'invente rien sous le ciel. Celui qu'on va voir maintenant fait partie des personnificateurs et je pense qu'il est parmi les gens que tu as guidés, que tu as dirigés. Fais-le-moi voir sur la liste. Oh, ben, je comprends, c'est un de mes meilleurs amis. Du reste, la dernière fois qu'il a fait un téléthon, il a fait une imitation extraordinaire de Muriel Millard qui est tombée sur son popotin quand on a vu ça. Mais vraiment, il lui ressemblait d'une façon extraordinaire et ce soir, je pense... Il va faire un autre personnage qui est un de nos grands personnages. Notre première grande star du Québec. Notre première grande dame du Québec. Alors voici personnifiée par Chanel, Lady Alice Robbie. Tico, tico, tic. O tico, tico, tac. O tico, 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 tac. O tico, tico, même au cœur du temps m'éclate. Et lorsqu'il dit coucou, il me dirait, mais vous, les amoureux, je suis sur lui dans mon patin. Et lorsqu'il crie 8 heures, si j'avire en mon cœur, je pars une vieille qu'aux petites heures du matin. Si je suis à temps, coucou, autrement, vous, parce qu'il est gentil et charmant, vos petits coucous. C'est un oiseau qui jamais ne se laisse prendre. Il connaît tous les rendez-vous, comment s'y rendre. Et dans les affaires d'amour, mon tico, il a toujours qui me dit peu importe la nuit ou le jour. Oh, j'entends mon petit coucou qui m'appelle. Il semble dire que c'est l'heure d'être fidèle. Oh, 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 on dirait que mon cœur fait craint. Tico, 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 tac. Oh, tico, 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 tac. Oh, tico, tico, mais mon cœur est en éclat. Et lorsqu'il dit coucou, il me dirait, mais vous, les amoureux, se fait sur lui dans mon patin. Et quand il crie 8 heures, que j'avire en mon cœur, je parais ne vienne qu'aux petites heures du matin. Si je suis à temps, coucou, autrement, vous, parce qu'il est gentil et charmant, mon petit coucou. C'est un oiseau qui jamais ne se laisse prendre. Il connaît tous les rendez-vous, comment s'y rendre. Et dans les affaires d'amour, mon tico, il a toujours qui me dit peu importe la nuit ou le jour. Oh, j'entends mon petit tico qui m'appelle. Il semble dire que c'est l'heure d'être fidèle. Chanel qui personnifiait Lady Alice Robbie. Je te jure. Lady Chanel. Je la regardais à la télévision, là, on aurait dit vraiment Alice parfois, là, tu sais. Les mimiques. Si on allait voir du côté de chez Sears, voir s'ils ont vu ça, je suis sûre qu'ils pensaient que c'était Alice Robbie. Est-ce qu'ils sont là, les gens, chez Sears, Marc? Est-ce qu'ils regardent ça, oui, là, les autres, regarder là? Où ça? Oui, on regarde ça et c'est assez méprendre. Mais moi, j'ai une question à demander aux gens. Saviez-vous que l'Association de dystrophie musculaire doit financer la recherche pour trouver le remède à au-delà de 40 maladies différentes? L'affaire, c'est qu'il faut arriver à leur pouvoir trouver et remplacer les gènes défectueux qui sont responsables de ces maladies. Il faut donc que vous soyez généreux, que vous nous téléphoniez au 339-5811, que nous fassiez un petit don. Et à travers la province, vous l'êtes généreux. À Montréal, Laval, Rive-Sud, on a amassé 81 765 $. En Mauricie, 2467. En Estrie, 935. En Outaouais, 1 450. À Québec, ça va très bien, 9 794. Saguenay-Lac-Saint-Jean, 2 106. Abitibi-Témiscamingue, 1 170. Côte-Nord-Bas-Saint-Laurent, 1 673. Drummondville, 563. Laurentides, 1 409. Et en Gaspésie, 1 360. Depuis tout à l'heure, on vous demande de faire des dons. Il est d'autant plus facile de le faire que vous pouvez vous servir de vos cartes de crédit. Alors, si vous avez une carte Visa, Mastercard ou encore Canadian Tire, vous pouvez nous téléphoner au numéro suivant, dire que vous employez cette carte. Et d'ailleurs, pour nous, les fonds sont d'autant plus faciles à récupérer puisqu'ils seront tout de suite disponibles. Je vous rappelle que lorsque vous faites un don
à l'aide de la carte Canadian Tire. La compagnie Canadian Tire, elle, de son côté, versera 1$ à chaque fois que vous vous servirez de cette carte. Je vous rappelle, notre numéro, c'est le 339-5811. On retourne maintenant au théâtre Denise Pelletier. La prochaine artiste qu'on va présenter, je pense que... C'est très bon ce que Jean Gilda vient de dire. Là. C'est lui, hein, qui lui a donné... Non, c'est que c'est... Elle a commencé à chanter, c'est Jean qui l'a fait j'ai chanter. Connu Barbara, j'ai connu Barbara Araya au Faisan Bleu. Mm. Et elle ne faisait que de la trompette. Mm-hmm.